Engage! Engage! Voilà, Gallecos, dans quelques instants, direction Cardiff et le Millennium Stadium. Mais avant ça, nous sommes toujours au Stade de France en compagnie de Mathieu Lartaud, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez. Justement, pour parler de ce Gallecos, le Pays de Galles qui s'apprête à honorer un pilier que vous avez bien connu, hein, Raphaël, Gezin Jenkins, 105e sélection. C'est un match de gros qui s'annonce aujourd'hui pour Gezin Jenkins qui va être honoré. Hein. Vous avez joué contre lui, il me semble. Oui, plusieurs fois, oui. C'est une vraie consécration quand même pour un pilier d'un tel calibre, c'est vrai. Oui, 105e sélection, il devrait faire son entrée dans le Stade Millennium d'ici quelques minutes. Et au Stade Millennium, Jean Abeillou et Sylvain Marconnet, un autre pilier illustre, vont nous commenter ce match. Et je crois, Raphaël, que vous aviez une question à poser à Sylvain Marconnet qui est en place là-bas. Hein. Oui, justement, la question que j'ai envie de poser à Sylvain, c'est est-ce qu'il ne nous fait pas un excès de jalousie en commentant la 105e sélection de Jenkins et ses cannes de girafe, alors que lui... représenter l'ultra-puissance sur des appuis très très forts en mêlée. Non, ben un grand plaisir. Bonjour à tous tout d'abord. Non, un grand honneur d'être ici au Millennium de Cardiff pour ce match entre guillemets de gala. Avoir la chance de commenter la 105e sélection de Gezin Jenkins. Donc voilà, un peu, non, même pas de jalousie, mais voilà, je suis très honoré en tout cas de l'accompagner sur ce match et de pouvoir le suivre. Je crois que c'est une récompense mérité, ça fait plus de 10 ans qu'il est au plus haut niveau avec le Pays de Galles, donc ça va être un moment certainement inoubliable pour lui. Alors Sylvain, nous sommes honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui, très fiers avec Jean Abeillou. Je crois que Fabien Galthié, que vous avez aussi très bien connu, puisque vous avez partagé de nombreuses aventures sur les terrains ensemble, avait également une question à vous poser, Sylvain. Oui, bonjour Sylvain, je veux savoir comment tu t'es préparé pour passer... Bonjour Fabien. Quand tu t'es préparé pour passer du niveau moins de 20 ans international au niveau senior, est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un peu cafillon ce match? Bien Fabien, je pense que ça va chacailler cet après-midi. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de passer des moins de 20 à un aussi beau match que celui de cet après-midi. C'est une belle promotion en tout cas. En tout cas, messieurs, écoutez, on vous passe la balle tout de suite pour ce match, ce second choc de la journée, Gallecos. C'est à vous, Jean Abeillou, Sylvain Marconnet, régalez-nous, à tout à l'heure. Merci, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc, il y a le feu au Millennium Stadium. Les Écossais sont sur cette pelouse de Cardiff. Et là, nous sommes dans les couloirs du Millennium pour la sortie des Gallois. Et donc, l'événement, vous l'avez évoqué, Cédric Baudou avec Raphaël Ibanez, la 105e sélection de Gezin Jenkins, l'ancien pilier de Toulon. Et qui va donc cet après-midi devenir le joueur le plus capé de la principauté. Il va devancer l'ancien ouvreur, l'ancien Clermontois, Stephenson. Le voici ici. Là, c'est le capitaine Warburton qui va mener ses Gallois. La question de savoir si Gezin Jenkins va sortir le premier sur cette pelouse du Millennium. À suivre donc sur les écrans. Non, c'est le capitaine Sam Warburton qui rentre le premier, toute l'humilité des piliers. Je pense que Jenkins n'a pas voulu se mettre la pression aussi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'a pas voulu se mettre en avant et rester avec ses coéquipiers, rester concentré sur ce match d'une grande importance pour le Pays de Galles suite à leur désillusion. Ils espéraient gagner trois fois consécutivement ce tournoi. Ils ont abandonné leur chance la semaine dernière en Angleterre. C'est un peu effectivement le match des frustrés de la dernière journée, ce Pays de Galles-Écosse, pour conclure ici au Millennium ce tournoi destination. Le voici ici à l'image, Gezin Jenkins, pilier gauche, 105e sélection, alors que l'on revoit ce ralenti la sortie des Gallois. Mais quand le Pays de Galles reçoit l'Écosse, eh bien, pour lancer le match, ce sont, je dirais, les deux plus beaux hymnes du tournoi. Et on va commencer, bien sûr, avec le Flower of Scotland, fleur d'Écosse, magnifique. Thank you.
l'hymne écossais, les supporters sont venus d'Édimbourg et de toute l'Écosse. Et maintenant, eh bien, le Millennium Stadium, comme d'habitude, va chavirer avec la terre de nos ancêtres, l'hymne à l'honneur du pays de Galles. C'est beau, le toit est fermé, la cathédrale du Millennium Stadium va résonner et les supporters gallois d'une seule voix pour supporter donc et entraîner les partenaires de Sam Warburton. Ils sont là au grand complet, même le bouc est de la fête cet après-midi ici à Cardiff sur ce pays de Galles-Écosse. Oui, effectivement, le chaudron est bouillonnant. La composition des équipes, Sylvain, 6 changements du côté du pays de Galles par rapport à la défaite en Angleterre. Avec Rodri Jones et Ken Owens en première ligne. Le retour de la charnière avec Dan Bigard et Mike Phillips, le joueur du Racing. Luc Charteris en deuxième ligne, le joueur de Perpignan. Et Ryan Williams à l'arrière, titularisé suite à la blessure de Al Feli du côté écossais. 3 changements par rapport à l'équipe battue par la France. Ryan Wilson remplace Johnny Bickey, le Montpellierain blessé. Dougie Faye va honorer sa première sélection à l'aile suite à la blessure également de Tommy Seymour. Et puis c'est Max Evans, le 3 carrel du Castres Olympique, qui lui est de retour à l'aile suite à la blessure de Chant Lamont. Vous découvrez les remplaçants des deux équipes et on va découvrir l'arbitre de ce match. C'est un Béarnais, c'est un Français, c'est monsieur Jérôme Garcès. Pour la première fois, il faut le signaler dans ce tournoi, 3 arbitres français officient tout au long du tournoi. Oui, c'est vrai, c'est une première. On a vu monsieur Gahuser arbitrer l'Angleterre-Italie qui a précédé ce match. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques dans le championnat concernant les arbitres. Et finalement, au niveau international, on est bien représenté. Avec Pascal Gahuser qui était cet après-midi à Rome, dont Jérôme Garcès ici. À Rome, un poids qui a arbitré un autre match tout au long de ce tournoi. C'est parti donc pour ce pays de Galles-Écosse avec le coup d'envoi donné par les Diables Rouges et un ballon récupéré par le 15 du Chardon et notamment Duncan Ware. Ballon travaillé maintenant par les avants d'Écosse. Ballon lâché pour Gret Lello, joue au pied du demi de mêlée d'Écosse. Et premier ballon pour Liam Williams. Pris aussitôt par la montée des Écossais. Une bonne pression des Écossais d'entrée, voilà. Et premier coup de sifflet. On reproche à Liam Williams de conserver le ballon au sol. Il y avait un bon rideau défensif écossais et le Gallois manquait de soutien. Pénalité pour l'Écosse. Vous avez vu le geste de l'arbitre français, dont Jérôme Garcès. Et regardez, Duncan Ware, peut-être un indice par rapport à ce match. On est au 45 mètres, mais Duncan Ware va chercher la touche pour aller porter le jeu dans les 22 mètres du pays de Galles. C'est vrai que les deux équipes ont envie de sortir par le haut, donc vont certainement nous procurer beaucoup de spectacles aujourd'hui et vont envoyer beaucoup de jeux. Se désaltère Scott Johnson, son dernier match en tournoi à la tête de cette équipe d'Écosse. Et le lancer derrière donc pour Scott Lawson. Alignement complet, on va certainement chercher à défier les Gallois dans ce secteur de jeu qui a particulièrement bien marché contre les Français la semaine dernière. Ballon, voilà, on se structure. Ballon travaillé dans les mains de David Denton avec ce ballon porté organisé par les avants du Chardon.
Bonne pression des Gallois qui emmènent les Écossais au sol. Il va falloir repartir. Ouais, c'est fait avec cette charge de Lawson, le talonneur. Deuxième point d'ancrage, le jeu qui rebondit, la passe croisée. On insiste au frais. Sur le fermé peut-être, non, finalement, grand côté là-bas. Cette passe pour Ryan Grant, le pilier gauche. On est dans les 22 mètres du Pays de Galles. Et des Écossais qui conservent ce ballon. Du jeu à une passe, on essaye de tester la défense galloise qui s'est montrée particulièrement perméable en Angleterre. Tu as Org sur ce point de fixation. Attention, ce ballon qui a été perdu. Et c'est les Gallois qui se sont jetés dessus comme des voraces. Ballon récupéré par Mike Phillips qui va chercher le pied de Dan Bigard pour repousser les Écossais. Récupération d'Anton. La belle charge de Beau bouchon. Denton. Ballon lâché pour Ledlow avec Richie Gray, le deuxième ligne du casque olympique. Ouais, pour l'instant, on reste près des avants. On voit, on multiplie les phases de jeu. La défense galloise qui monte en inversé, donc qui oblige les Écossais à rester près de leur avant. La deuxième pénalité, sifflée par Jérôme Garcès contre le Pays de Galles. On va voir ce que les Écossais font. Ils vont prendre la pénalité. C'est vrai qu'ils sont un peu moins de 40 mètres, presque face au poteau. Le Pays de Galles qui aligne sur son équipe aujourd'hui d'entrée, sur ses 15 titulaires, les trois joueurs du Racing Metro 92. Hein. Dan Ligiat en troisième ligne, Mike Phillips numéro 9, et donc Jamie Roberts au centre de l'attaque galloise. Mais pour l'instant, ce sont les Écossais qui ont la possibilité d'ouvrir le score grâce à Duncan Ware, ballon posé aux 35 mètres face au poteau gallois, alors que l'on revoit la faute sifflée par Jérôme Garcès. Plutôt, c'était le premier ballon récupéré par les Gallois. 37 ouais, mètres exactement. Par Sam Warburton. On a vu toute son envie et sa détermination. Ouais, c'est le genre d'action et de geste qu'il affectionne. La frappe de Ware et ça passe. Ouverture du score ici au Millennium Stadium. C'est Graham Lendo hein, qui s'était chargé de taper cette pénalité. Pays de Galles 0, Écosse 3. Sous cette réussite du demi de mêlée de l'Écosse. Bonne Denton. Réception de Denton. Karim Max. Belle feinte. Avec Stuart Hogg. Pour l'instant, les Écossais ont mis la main sur le ballon. Privés de munitions, les Gallois obligés de s'employer. En défense, là, il monte très très haut sur les 22 mètres écossais. On passe par le sol avec Cross, Lello, certainement pour les chercher, non. Il joue au pied lui-même le demi de mêlée du Chardon pour se donner un petit peu d'air. Ouais, tout à fait, des Écossais qui avaient été mis sous pression d'entrée sous le coup d'envoi des Gallois qui finalement ont multiplié des phases de jeu. Il n'y avait pas d'intervalle, pas de trou, pas d'espace. Donc on a préféré se dégager au pied. Allez, alignement complet pour les Gallois. Et le lancer de Ken Owens, préféré aujourd'hui à Richard Hibbard. Ballon gallois, le premier, j'ai envie de dire, avec cette charge du capitaine Warburton. Félix pris par Hamilton et coup de sifflet de Lucie Garcès. Ouais, bonne pression d'Hamilton qui avait traversé le regroupement pour aller se saisir de Mike Phillips qui n'a pas d'autre choix que de lâcher ce ballon et donc c'est un en avant, on revoit l'action. Hamilton qui a bien anticipé la sortie de Phillips et voilà qui est pris derrière. C'est le Montpellierain, le deuxième ligne de Montpellier qui vient plaquer le demi-mêlée du Racing Metro 92. Ça sent le top 14. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas Fabien Galthié qui se fait prendre derrière son regroupement comme ça. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Ah non, c'est... Ah bon, il était plus vif. Plus vif, bien évidemment. Il lâchait plus vite les ballons. La mêlée avec introduction pour Mike Phillips, justement, titularisé aujourd'hui, de retour. Il avait été titulaire lors du premier match. Ensuite, il était passé sur le banc des remplaçants. Et on revoit cette première mêlée qui est allée vers le sol. C'est vrai que durant ce tournoi, on en a vu beaucoup de ce genre d'action, des mêlées qui vont au sol, des mêlées à refaire. C'est la première mêlée, donc l'arbitre ne siffle pas de faute. Et ce match est particulier par cet homme que vous avez vu en gros plan, Kevin Jenkins. Il est dans son rôle favori, c'est-à-dire ce défi physique sur la mêlée, là où les deux premières lignes s'affrontent directement. Oui, puis il est chez lui, hein, parce qu'il évolue
désormais au Cardiff Blues, donc juste à côté du Millennium Stadium. Et c'est la... Ce sont les avants écossais qui ont été pris. Et on reproche à George Groff d'être allé au sol, d'avoir tiré Jenkins vers le sol. Donc c'est une pénalité. Alors ça va être le choix de Dan Bigard. On va aller chercher la touche dans les 22 mètres de l'Écosse. Pour l'instant, les Écossais mènent ici à Cardiff 3-0 face au Pays de Galles. Et la touche trouvée là-bas par Dan Bigard. Ouais, ça va être un bon ballon pour les Gallois pour pouvoir lancer le jeu et leur permettre de rentrer dans ce match. Parce que pour l'instant, ils sont un peu spectateurs. Et toujours un alignement complet de la part des Gallois. Le lancer de Ken Owens. La prise parfaite de Alan Wynne-Jones et ballon travaillé par les avants du Pays de Galles. Ballon qui se structure, qui est amené vers le sol. Ballon lâché. On repart en Chicago. Ken Owens. Soutenu par Mike Phillips et Faletao. On gagne quelques précieux mètres. Avec Dan Liviat, troisième ligne du Racing. On est à 10 mètres de l'embut écossais. Ballon pour les Gallois toujours avec cette charge de Rodri Jones. Passe par le sol, Phillips. Ballon écarté cette fois, Bigard. Jusqu'à Jonathan Davis. Il y avait peut-être mieux à faire, il y avait du monde extérieur. Le jeu qui rebondit, Bigard à nouveau, la passe à hauteur. Gros temps fort, le premier dans ce match pour les Gallois. Phillips en renverse, grand côté, avec Alou Wynne-Jones, bloqué par les Écossais. Passe par le sol, Phillips. C'est Jamie Roberts qui est venu s'imposer physiquement au cœur de la défense écossaise. Charteris, le Catalan. Et les Gallois qui sont patients, qui ont toujours la possession du ballon. Bigard n'a pas sauté, pas sauvé, mais le ballon finit en touche. Elle était destinée à George North. Cette passe lobée de Dan Bigard. Première séquence là, imposée par les hommes de Warren Gatland, l'entraîneur néo-zélandais du Pays de Galles, en place depuis 2007 et un premier joueur touché. Ouais, des Gallois qui mettent beaucoup de rythme quand ils ont le ballon, qui multiplient les phases de jeu. Et on voit là, on a voulu sauter, mais c'était un peu haut. On aurait dit un peu un lancer en touche de la part de Bigard. Alors on va préciser que ce match, les Gallois, je dirais le bilan comptable, hein. Et l'objectif de ce match était une éventuelle troisième place si les Gallois venaient à battre les Écossais. Et si bien sûr tout à l'heure l'équipe de France s'inclinait face à l'équipe d'Irlande, ce qui est loin d'être fait bien sûr. Bon, on l'espère pas du moins, exactement. Mon cher Jean. Hein. On espère bien que nos petits bleus vont nous faire plaisir ce soir au Stade de France face aux Irlandais. J'ai entendu, je crois que ça fait un certain nombre d'années que les Irlandais n'ont plus gagné au Stade de France, c'est un adversaire qui nous réussit historiquement bien, donc j'espère que ce soir, on va une nouvelle fois en faire la preuve. Les Bleus ont la clé du tournoi dans leurs mains, le dénouement de ce tournoi Destination 2014. Ici, pour l'instant, eh bien, Dan Bigard a la possibilité de ramener les Gallois à hauteur des Écossais avec cette pénalité 15 mètres, pratiquement face au poteau du Chardon. Tranquille pour Dan Bigard. Réussite. Pays de Galles 3. Écosse 3. Alors que l'Écosse vient de perdre son capitaine. Il vient de perdre Kelly Brown. Qui sort, il a l'air d'être touché à une épaule. Ouais, c'est un coup dur pour Kelly Brown. Blessé d'entrer ici au Millennium. Et qui donc doit céder sa place. On le revoit. C'est ici que Kelly Brown avec son numéro 7 et son casque a été touché sur l'action. 3 partout, c'est inscrit sur la pelouse du Millennium de Cardiff. Vous le découvrez. Égalité parfaite donc après 9 minutes dans cette première période. Et le jeu au pied de Mike Phillips. Bon ballon de relance pour les Irlandais, les Écossais. On va essayer de trouver les intervalles extérieurs, mais il n'y en a pas. Les ententes dans cette attaque. On rend le ballon aux Gallois. Avec Warburton. On a écarté la part les Gallois. Alouine Jones dans la ligne de trois quarts également avec Faletao. Le Gallois d'origine tongienne. Nouveau point d'ancrage. Phillips. Ah, il a eu de la chance celui qui était face à Faletao. Parce qu'en principe, quand il y a un pacte, c'est une grosse collision. Dan Bigard qui attaquait la ligne, mais bloqué par le numéro 20. Rentré donc en jeu à la place de Kelly Brown, c'est Alasdair Strokosh, le troisième ligne d'Écosse et de Perpignan.
Mike Phillips joue au pied contré. Le 2-1 mêlé gallois, obligé de se replier. Chassé, Dan Bigard a évité le premier plaquage, mais pris par Alex Dunbar. Et pénalité en faveur des Écossais pour ce ballon gardé au sol. Ouais, Phillips qui s'est fait contrer derrière un regroupement, qui là se fait contrer au pied derrière un regroupement. Il ne rentre pas de la meilleure des manières dans ce match, Mike Phillips, le joueur du Racing. On va revoir le contre là. Ouais, c'est encore Hamilton qui est venu très très actif, deuxième ligne écossais du haut de ses 2m03, venu contrer ce dégagement de Mike Phillips. Ah, c'est la bête noire de Mike Phillips pour l'instant. Et on voit Gross qui était un peu inquiet à l'idée de plaquer Faletao. Heureusement qu'il y a une motte d'herbe qui l'a freiné. Ouais. C'est pris les pieds dans le tapis, comme on dit. Et du bord de touche, Greg Lallo, buteur en titre aujourd'hui, donc, du côté de l'Écosse, va essayer de redonner l'avantage à ce 15 du Chardon. Pied droit, il est de mon côté. Le demi de mêlée écossais, mais ça va passer à côté. Et dégagement des Gallois sur ce ballon récupéré sous leur poteau. Et petit dégagement, ça va permettre aux Écossais de pouvoir lancer le jeu à hauteur des 30 mètres. L'Écosse qui n'a plus gagné à Cardiff depuis le 6 avril 2002. Ouais, ça fait 12 ans quand même. Hein, ça commence à remonter. Ça serait un vrai exploit s'il s'imposait cet après-midi. Alors, le lancer de Scott Lawson. Ballon chippé par les Gallois. Mike Phillips pour lancer le contre des Diables Rouges. Avec notamment Dan Lidiat. Ballon écarté à nouveau. Essayez de passer les bras. Ballon perdu. Récupération de Richie Gray, de deuxième ligne du Castres Olympique. Il fallait fixer la défense galloise. Ledlow. Lawson. Ryan Wilson. Il n'y a pas d'intervalle. On prend le contact. Il faut vite rebondir. Et on renverse. Grand côté. Hamilton en pivot. Il y a des Écossais qui sont mis sous pression dès qu'ils ont le ballon. Qui se retrouvent sans solution. Il y a un avantage en cours signalé par M. Garcès. Ballon récupéré par les Gallois. On laisse donc cet avantage. Phillips auprès. Voilà, on va revenir à la faute initiale puisque l'avantage n'a pas profité aux joueurs du pays de Galles. Voici le geste de Jérôme Garcès. Ah, ils ont sauvé nos amis écossais. Ah, ils sont venus en nombre, hein. On en a vu un certain nombre dans Cardiff ce matin. Oui, on a une belle séquence qu'on a vécue tout à l'heure en dehors du Millennium Stadium. Ce sont les joueurs écossais au grand complet qui sont arrivés à pied sur l'avenue qui jouxte le Millennium Stadium au milieu des supporters, un peu à la toulonnaise. Un peu à la toulonnaise. Ouais, en tout cas, applaudi avec beaucoup de respect par les supporters gallois et écossais, bien sûr. Et c'était une image très sympa. Une sorte de défilé, tous en survêtement. Ils sont venus au stade à pied depuis leur hôtel. Peut-être que leur bus était en panne, Jean. Je ne sais pas, on ne leur a pas demandé. On n'a pas osé les arrêter. Allez, ballon gallois. Et avec cette charge de Jamie Roberts pour fixer la défense écossaise, on est à 15 mètres de leur but écossais. Le jeu qui rebondit avec Owens. Et les Gallois Phillips, qui multiplient les séquences de jeu. Pour North. Le puissant ailier. Ouais, tout en force, obligé de se mettre à deux sur le trois carrés gallois. Mais le ballon toujours pour les Diables Rouges. Avec Charteris. Phillips. C'est de passer en force. Allez, nouveau point d'ancrage. Ballon lâché par Phillips. Owens au relais, le talonneur. Et on reparlera des petites séquences pour attendre que Phillips soit relevé et puis s'écarter ce ballon. On gagne quelques précieux centimètres. On est à moins de 2 mètres de la ligne. Un gros moment fort là des Gallois avec Owens. Pour l'instant, les Écossais ne plient pas, mais ils souffrent. Davis, on est sur la ligne d'essai. Attention, si le ballon est éjecté, le premier essai marqué par Liam Williams. Premier essai gallois ici au Millennium. Le jeune Liam Williams titularisé suite au forfait de Alfeli qui marque donc le premier essai après une longue, longue séquence des Gallois. Oui, des Gallois qui avaient très bien joué le jeu, pensaient être patients.
qui ont su resserrer la défense écossaise par leur petit jeu autour. Donc ils se sont resserrés et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on laisse des espaces au large. Et les Gallois ont bien su l'exploiter avec Liam Williams à la finition. Façon Super 15 avec son plongeon Superman. On revoit l'action. Voilà. Et voilà l'espace extérieur. Et Liam Williams qui plonge à la Superman. Et premier essai gallois. Ils ont su être patients. Ils ont su construire cet essai. Et premier essai également sous le maillot des Diables Rouges pour le jeune Liam Williams. Au bout d'un quart d'heure, donc, les Gallois sur leur pelouse de fétiche du Millennium Stadium de Cardiff ont trouvé une première faille dans la défense écossaise et Dan Biggar va essayer de transformer cet essai depuis le bord de touche. Et juste après, on va en profiter, Sylvain, pour jouer, histoire de reprendre notre souffle, car on peut encore jouer tout au long de cet après-midi de tournoi. La superbe frappe de Dan Biggar, ça passe, Pays de Galles 10, Écosse 3. Après, on va le revoir ici. Voilà. L'essai de l'arrière, Liam Williams. On revoit les successions de passes pour aller vers l'essai de Liam Williams. L'essai donc transformé par Biggar. Pays de Galles 10, Écosse 3. Allez, on va en profiter donc pour jouer, je vous le dis. Merci au moment où vous allez pouvoir gagner 15 000 euros. Et c'est le dernier match pour tenter de les gagner. Pour cela, il faut donc répondre à cette question. Laquelle de ces deux équipes, le Pays de Galles et l'Écosse, a remporté les deux derniers tournois destination? Laquelle de ces deux équipes a remporté les deux derniers tournois destination? Pour cela, vous envoyez directement votre réponse par SMS au 7-21-21 ou vous téléphonez au 36-32. C'est le dernier jour du tournoi. Eh bien, le tirage au sort aura lieu donc à la fin de cet après-midi pour connaître le gagnant. À vous de jouer. Il y aura une deuxième question en deuxième période. Oui, il y a eu une succession de ping-pong rugby, comme on appelle ça, de succession de coups de pied. On s'est envoyé de part et d'autre. Et Stuart Hogg a eu le dernier mot avec une fabuleuse touche trouvée à 5 mètres de la ligne galloise. Lancé Pays de Galles. Richie Gray va essayer de contrer tout ça. Le lancer de Conor Wentz et la prise est parfaite de Luke Charteris. Le deuxième ligne, le double maître qui porte donc lui aussi les couleurs de l'USAP. Et on a revu Hamilton qui veille sur Phillips, qui aurait bien aimé contrer ce ballon. Et qui n'a pas pu ce coup-ci. Et Phillips qui trouve une touche à l'extérieur de ses 22 mètres. Toujours un bon ballon écossais. Une bonne rampe de lancement. Et on va réduire l'alignement côté écossais. En mettant des troisièmes lignes dans la ligne de trois quarts. Soit pour les faire pénétrer, soit en leur. Voilà, c'est pour faire pénétrer Denton. Ouais, le numéro 8 venu dans sa ligne de trois quarts. Le jeu qui rebondit. Oh, la passe superbe à l'intérieur de Tanner Lawson. Destiné à Matt Scott. Ballon toujours pour les Écossais avec Strokosch. Sur les 22 mètres du Pays de Galles. Il a trois Diables Rouges sur le dos. Ouais, il veut lâcher ce ballon. Ryan Wilson. Donc, il a du mal à sortir. Ledlow. Ware. Pour Denton, Chistera, des ballons perdus en récupération des Gallois. Mais Dan Biggar, attention, car c'est un nouveau turnover. Le ouais, ballon est revenu dans les mains écossaises. C'est cafouillon tout ça, mais ça ressort pour l'Écosse. Richie Gray au sol. Lello, côté fermé, est venu plonger Stuart Hogg. Avec Dougie Five, première sélection aujourd'hui pour le point carré de gauche de l'Écosse. Max Evans. Un peu seul, Max Evans. Obligé de passer là par un point de fixation. Ledlow, Ware, analyse la situation, sert Jimmy Hamilton. Les Écossais qui ont du mal à progresser sur ces regroupements. À l'impact, il manque un peu de puissance face aux Gallois. Strokosch. Avec Max Evans qui accélère. Les deux ailiers côte à côte. Côté écossais. Et en avant de passe, ouais. On va revenir à une mêlée. Entre Max Evans et Dougie Fife. Ouais, des Écossais qu'on voit prôner la polyvalence. Des troisièmes lignes dans la ligne de trois quarts. Un talonneur qui joue comme un trois quarts.
Mais ça manque de puissance tout ça. On les voit en difficulté sur chaque impact. Là voilà, la passe en avant entre Max Evans, numéro 11, et Dougie Fife. Un gros plan, Max Evans, le 3 carrel du Castre Olympique, titulaire aujourd'hui sous le maillot de l'Écosse, remplace notamment Sean Lamonte. Allez, on va voir si on a trouvé des solutions en mêlée. La première a été sanctionnée contre l'Écosse. Phillips, pratiquement sur ses 22 mètres. Ouais, bousculé les avant-gallois, mais la pénalité contre l'Écosse. Et les désaxés, a dit Monsieur Garcès. Monsieur Garcès reproche aux Écossais de vouloir orienter la mêlée, de la faire tourner sciemment, ce qui est formellement interdit. Ce sont des oui, allez-y, s'il vous plaît. Excusez-moi, des Écossais sanctionnés, fort justement. C'est son deuxième match du tournoi que dirige Jérôme Garcès, le Béarnais. Il avait dirigé et officié notamment à Murrayfield pour Écosse-Angleterre. Les Anglais s'étaient imposés à Édimbourg 20-0. Warren Gatland ici, plein écran au centre, le patron de cette équipe du Pays de Galles depuis 2007, je vous le disais. Le lancer de Ken Owens. Et d'ailleurs, il prépare la Coupe du Monde 2015, puisque des joueurs comme Ken Owens, Roderick Jones ont été préférés à notamment Adam Jones en première ligne, justement pour préparer ce Mondial 2015. Oui, on va se servir de ce match pour préparer l'avenir. Certes, Adam Jones fera certainement la Coupe du Monde, mais il faut aussi des remplaçants. Et donc, c'est un match pour faire des essais, faire entrer du sang frais et voir la jeunesse à l'œuvre. Oui, quelques cadres des derniers grands chelems du Pays de Galles sont restés sur le banc des remplaçants cet après-midi. Ça a été le choix de Warren Gatland. Dan Bigard, légèrement en retard, on va dire, M. Garcès, oui. Oui, il a même mis la main à la poche. L'arbitre français, carton jaune pour Stuart Ogre, alors que Dan Bigard reste au sol après son jeu au pied, percuté à l'épaule par Stuart Ogre ici. Joueur de Glasgow. On va certainement revoir l'action. Ouais, ça me semblait être dans le cours du jeu. Oui, mais c'est à l'épaule, vous allez voir, je pense. Jugé dangereux certainement. Là, la frappe de Dan Bigard est ici. Ouais, sous le menton, ouais, c'est dangereux. Il aurait pu s'en dispenser, Stuart Ogre. Surtout qu'il arrive de côté, on le voit. Il aurait pu changer de trajectoire ou freiner. Alors que Bigard ne l'avait pas vu arriver. C'est impressionnant. Il était relâché puisqu'il avait déjà frappé son ballon. Il était en phase de relâchement. Et Stuart Ogre, même voilà. Rouge. Rouge, hein. Ouais, rouge. Bon, ça me semble justifié, hein. Il est... C'est en voyant les images et certainement la blessure de Dan Bigard que Jérôme Garcès vient du carton jaune sorti en premier et passé au rouge. Ouais, écoutez, ça arrive pas souvent. Sans consulter la vidéo. Enfin, en consultant la vidéo sur l'écran, sans solliciter l'arbitre vidéo. Voilà, on voit Hug qui n'est pas du tout dans l'axe. On voit un joueur écossais qui était monté, qui est Duncan Ware, le numéro 10, qui s'est arrêté pour justement ne pas toucher Bigard, alors que Hug est venu le prendre sciemment. Ah, il a pris ses responsabilités, Jérôme Garcès. Carton jaune, on le rappelle, en première intention. Ensuite, il a revu la vidéo, parce qu'il y a le grand écran, bien sûr, ici au Millennium Stadium. D'ailleurs, il est plein écran, l'arbitre français. Il est allé voir aussi l'état de la blessure de Dan Bigard. Et dans un deuxième temps, il est allé brandir le carton rouge, sous les yeux de Stuart Ogre. Les Écossais vont jouer ce match jusqu'à la fin, à 14 contre 15. Dan Bigard a récupéré, puisqu'il va tenter la pénalité, quand même. Oui, tout à fait. Mais bon, c'était dangereux, effectivement. Des 40 mètres, la frappe de Dan Bigard, elle passe, il a complètement retrouvé ses esprits. Et c'est à mieux, 3 points de plus dans l'escarcelle des Diables Rouges. Pays de Galles 13, Écosse 3. Je suppose que les Écossais n'ont pas du tout apprécié ce changement d'avis, passé de jaune à rouge. On revoit l'action, et regardez, il y a un joueur dans l'axe qui s'est arrêté alors que Stuart Ogre vient faucher Bigard. C'est un geste qui peut vous mettre KO pour le compte. Je vous le confirme.
Ah, c'est un crochet au menton sur un ring de boxe. On sait ce que ça veut dire. Dan Bigard a retrouvé ses esprits. Il vient donc de rajouter les 3 points. 13 à 3, 10 points d'avance pour le Pays de Galles ici à Cardiff. Et le temps va être long. Hein. Il reste un peu moins d'une heure pour les Écossais à 14 contre 15. Déjà qu'ils étaient menés 10 à 3. Il va falloir suppléer l'absence de Hug. Oui, qui était un peu leur dernier rempart et surtout leur meilleur relanceur, leur meilleur attaquant, je dirais, le joueur de Glasgow de 21 ans. Il est très vif, il a des jambes de feu. Et là, c'est son épaule qui l'a renvoyé au vestiaire suite à ce carton rouge. Donc. Ouais, des Écossais qui ont voulu vite jouer cette touche pour aller directement en touche. On perd un peu les pédales du côté écossais. On confond vitesse et précipitation. Et ça va être un ballon lancé gallois. Callowens, l'homme de Clanicly. Alors j'ai regardé, on a sorti un troisième ligne pour le mettre en position de premier défenseur à la place du 10 et on a décalé toute la ligne de 3 quarts. Le fond de touche, ballon pris par Warburton, le capitaine Phillips. On s'organise avec Owens, passe par le sol, Phillips. Changement de jeu Bigard sur l'aile de Alex Kasberg. Phillips, petit coup de pied par-dessus. C'est directement en touche. Non, on n'aura pas d'essai. Rassurez-vous, M. Garcès, ça s'est fait. Et vous voyez le juste de touche qui a levé son drapeau, mordu la ligne. On revoit l'action. Mike Phillips qui avait vu qu'il n'y avait personne fermé, qui tente le par-dessus. C'est mal ajusté, mais ça se joue à pas grand chose. Il y a peut-être 30 ou 40 cm, mais c'est directement en touche. Et on revient à lancer écossais. On nous rappelle quand le ballon touche la ligne, il est en dehors des limites du terrain. Tout à fait, Jean. Mise à demain de Hamilton. Ouais, des écossais qui vont certainement passer du temps dans ces regroupements pour éviter d'user trop d'énergie. Le jeu au pied de Ledlow très haut. À la réception, c'est finalement Denton. Et les joueurs du Chardon peuvent enchaîner. Avec Hamilton. Et Wilson passe par le sol. Ledlow. Ware. Il est croisé, finalement, il est allé servir un petit peu abrégé à l'abattoir. Hein. Mais ballon toujours pour les Écossais. Duncan Ware. Dans l'angle mort, là-bas la diagonale pourrait trouver une superbe touche dans les 22 mètres du Pays de Galles. Ouais, des Écossais qui n'ont pas beaucoup de solutions, hormis le jeu au pied. Duncan Ware, l'homme du drop en Italie, qui avait permis sur le fil à Rome aux Écossais d'arracher leur première victoire dans ce tournoi destination 2014. La seule pour l'instant, alors que Ken Owens est en discussion avec Jérôme Garcès avant d'effectuer son lancer. On a réduit l'alignement et on va trouver Hamilton. Ballon travaillé par les Gallois. Ils restent complètes en touche et cette prise à deux mains. Ils prennent tout leur temps pour offrir ce ballon à Phillips. Joue au pied du demi de mêlée du Racing Métro 92. Ballon rendu à Dougie Fife. Ledlow, Ware. On voit la pression galloise, ce fameux pressing. Ouais, sur Mascott, obligé de repasser par le sol. Et ballon perdu, chipé par ce diable de Warburton. Mais pénalisé, les Gallois. Ouais, de manière illicite, il l'a talonné à la main. C'est ce que reproche Jérôme Garcès à Sam Warburton. Et beaucoup de turnover pour l'instant dans ces regroupements. 28 minutes dans ce match. Si vous nous rejoignez sur France 2, on est à Cardiff au Millennium Stadium. Les hommes de Scott Johnson ici plein écran. Le sélectionneur écossais. L'Écosse donc menée ici par le Pays de Galles 13 à 3. Mais sur cette tentative de Ledlow, les Écossais peuvent réduire l'écart au score. 41 mètres, vous voyez avec l'incruste. La tentative du demi de mêlée du Chardon. Pied droit pour Ledlow, la frappe est bonne, pas devant car le toit est fermé,
C'est passé à côté. Juste à gauche. La distance était bonne, mais la trajectoire ne l'était pas. Et des Écossais qui vont certainement prendre toutes les pénalités maintenant pour souffler un peu, vu qu'ils sont réduits à 14 en infériorité numérique. C'est vrai que sur la première pénalité qui leur avait été offerte, ils sont allés chercher une touche dans les 21 mètres du Pays de Galles. Depuis, c'est fini, ils prennent le but. Denton a bien récupéré son renvoi aux 22 mètres. Avec là où ils sont très actifs, le talonneur de l'Écosse, on le voit souvent plein champ. Les deux talonneurs sont très actifs pour l'instant. Hein. Que ce soit dans le... au large, au près, bien. Bloqué et le vent d'intervention de Jérôme Garcès. Pénalité en faveur de l'Écosse. Voici une première sélection cet après-midi pour Dougie Fife, pardon, le trois carrés d'Édimbourg. 23 ans ici, plaqué par Jonathan Davis. Et on a revu Davis qui faisait obstruction pour le soutien écossais et des Gallois qui sont énormément sanctionnés en ce début de rencontre, notamment sur toutes les phases de rock où on empêche les Écossais de sortir les ballons. Les supportrices galloises vous ont reconnu, Sylvain, vous saluer. Moi, je crois qu'elle vous faisait coucou à vous, non, Jean. Non, c'était pour vous, Sylvain. Ça me touche, alors. Ah, vous avez tellement sévi sur cette pelouse sous le maillot de l'équipe de France que personne ne vous a oublié au Pays de Galles. La prise à deux mains de Richie Gray. On sort le fermé. Lawson qui a glissé. Ah, c'est bien combiné. On avait fixé les Gallois au milieu pour revenir dans le fermé. Allez, Richie Gray essaye de trouver une solution. On est à 5 mètres de l'embut gallois. Jimmy Hamilton, son compère de la deuxième ligne. Oh, grosse défense là. Gros pressing défensif des Gallois sur la deuxième ligne de l'Écosse. Mais Denton a toujours le ballon. Soutenu par Lawson. Il faut le sortir rapidement. Côté gauche. Wilson. Soutenu par Gray. Je rebondis à nouveau. Scott. Pratiquement sur la ligne. Ouais, poussé en touche. Matt Scott par la défense galloise. Ouais, c'est bien défendu par les Gallois. Ils ont défendu avec la ligne de touche pour l'emmener jusqu'en touche. Matt Scott. Et le lancer rendu aux Gallois, donc, avec leur talonneur Ken Owens. On voit des Écossais qui ne savent pas quoi faire avec le ballon. C'est pas nécessairement travaillé. Ils vont à gauche, à droite. Essayent de manière un peu individuelle. On sent qu'ils sont perturbés depuis la sortie de Stuart Hogg. Les coups de sifflet de Jérôme Garcès. Il pénalise sur cette touche les Écossais. Ouais, notamment Richie Gray qui avait tiré. Alwyn Jones. Vers le sol. Ah oui. Oui, que j'ai confondu tout à l'heure avec Hamilton. Je ne sais pas où j'avais la tête. Il y en a un qui joue en rouge et un autre en bleu. Oh, le geste acrobatique là de David Denton pour essayer de trouver la touche, mais il n'a pas pu réaliser ce qu'il voulait faire. David Denton, ici à l'image, on va le revoir. Regardez. De façon volleyeur. On a estimé que le ballon était déjà en... C'est un très bon numéro 8, hein. Très technique, David Denton. Technique, puissant, il a tout pour lui. Très bon manieur de ballon aussi. On voit très habile. Ah, et bras cassés, coup franc, sifflé par M. Garcès contre les Gallois. Alors qu'on le voit ici à l'écran, le malheureux Kelly Brown, capitaine au coup d'envoi, qui est sorti au bout de 8 minutes de jeu. Du côté écossais, Duncan Ware. Chandelle très très haute, offensive à la réception. Williams, donc il s'est débarrassé de bien. Fife, magnifique. Qui a l'espace de Williams, auteur du premier essai national, qui a trouvé du soutien. Et l'essai de George Slorf, peut-être sur ce crochet intérieur. Le deuxième essai des Gallois ici à Cardiff, signé George Slorf pour sa 40e sélection cet après-midi. Le puissant trois carrés a pris une fabuleuse relance et une prise en l'air de Liam Williams. Là, on a vu cette succession de passes. Liam Williams qui trouve l'intervalle. On va très certainement revoir le ralenti. On profite du bonheur du public gallois. Alors qu'on revoit l'action, Liam Williams qui lutte en l'air, qui se défait d'un, deux défenseurs. Ah, on est revenu sur George North. Je
pense qu'on la reviendra, qu'on la reverra, car la réception de Willian, plus ensuite le double raffut pour lancer ce contre a été magnifique de la part de l'arrière gallois. Transformation sans problème pour Dan Bigard. Pays de Galles 20, Écosse 3, alors qu'on joue depuis 34 minutes. Alors là, on voit Liam Williams qui se débarrasse de deux Écossais, qui veut repiquer à l'intérieur et qui retrouve Mike Phillips et qui trouve George North et qui crochette Denton. Ça va devenir compliqué pour les Écossais qui n'ont plus d'arrière. Il n'y avait pas de dernier rempart, c'était Denton le dernier rempart. 40e sélection aujourd'hui pour cet homme, George North, et il marque son 17e essai sous le maillot du Pays de Galles. Ah, c'est le break là, réussi par les Gallois à 5 minutes de la fin de cette première période. 17 points d'avance, 2 essais à 0 pour les Diables Rouges ici à Cardiff. Et Denton omniprésent, c'est lui qui remonte ce ballon, qui est venu buter sur Jenkins. Il rebondit, qui va pouvoir sortir pour Ludlow. Joue au pied de Matt Scott. Ballon récupéré par les Gallois pour un nouveau contre avec George Snorth. Ah, qu'il est déchaîné. Fin de première période, tout à l'avantage des Gallois. Phillips. Il a même oublié son troisième ligne, qu'il aurait pu servir. Ah, ils sont un peu enflammés, effectivement. George Snorth, les récupérations des Écossais. Avec Ryan Grant. Ballon travaillé par la troisième ligne écossaise. Ledlow au pied. Nouvelle chandelle. Récupération de Dan Bigard. Superbement pour lancer le contre des Diables Rouges. Ouh. L'interception de Max Evans au pied dont il n'y a pas d'en avant. M. Garcès peut laisser jouer. Il attend du soutien. Le 3 carrés du Castres Olympique. Qui avait contrôlé à la méthode d'un footballeur. Ouais, et on voit le ballon qui est perdu par les Écossais. À nouveau dans les mains des Gallois. Les Gallois qui vont relancer. Ah, une nouvelle fois un turnover. On tente ces petites passes impossibles et on perd le ballon. Les Gallois remettent la main sur le ballon. Vraiment, c'est... Un gros pressing défensif de Hamilton. Pas de faute, a dit M. Garcès. Les Gallois peuvent s'organiser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue superbement joué de la part de Dan Bigard, qui a vu qu'il y avait un joueur démarqué. Le coup de pied de recentrage magnifique de Jamie Roberts qui va récupérer le ballon plutôt de Jonathan Davis pour aller marquer. La passe au pied était magnifique de Jonathan Davis pour Faletao. Le troisième ligne du Pays de Galles lui a rendu ce ballon et c'est Jonathan Davis qui marque donc le troisième essai des Gallois dans ce premier acte. Ah, on a vu du football rugby sur ce match-là. Max Evans qui contrôle du pied. Après les Gallois, recentrage sans contrôle au pied pour Faletao. Et cet essai. Ah, ça va être dur ce match pour les Écossais. On le répète, mais ça a son importance sur les matchs internationaux réduits à 14. Monsieur Garcès a demandé l'arbitrage vidéo. Et on revoit le recentrage là, sans même un contrôle pour Faletao. Ah, c'est du football, hein. C'est du football. Regardez, pied droit, magnifique. Et on cherche quoi? Un hors-jeu ou peut-être quelque chose? C'est juste à cet endroit que M. Garcès voulait se rassurer. Pas de souci, la vidéo a bien validé. Ah bon? Mais non, je ne crois pas. Ah non, je voyais qu'il avait accordé. C'est ce que je disais. Ah oui, Faletao qui était devant le porteur de ballon. Il était devant, effectivement. Bien et vu. Donc hors-jeu. Bien vu, M. Garcès. Ah, c'est ce qui me semblait, il avait un peu d'avance quand même. Il est numéro 8 par rapport à un ailier. Il était au point de chute du ballon. La vidéo a parlé, il est parti devant. Mais que c'est dur pour ces Écossais. Qui laisse des intervalles pour les Gallois qui s'engouffrent dedans et qui trouvent des solutions. Alors que l'on revoit la fin de l'action qui avait vu donc Jonathan Davis aplatir, c'est donc avant, sur le jeu au pied de cet homme, et bien que Faletao était en position de hors-jeu. Bien vu, hein, Jérôme Garcès. Car le contre avait été rapide de la part des Gallois, mais ça n'a pas échappé à la vigilance de l'arbitre français qui a fait appel à la vidéo.
Oh, lancé loupé de Lawson qui n'arrive pas à trouver son sauteur. Bonne opportunité pour les Gallois de relancer. Avec Liam Williams. Ils sont en pleine confiance. North et Sersonnel n'a pas mordu la ligne. Ballon toujours dans l'air de jeu. L'action peut continuer en faveur des Gallois. Et on voit des Gallois très joueurs là qui sont en confiance, qui se font des passes et qui cherchent des intervalles. Il y a de l'espace de partout North sur les extérieurs. Avec Jonathan Davis qui cette fois va peut-être marquer. Passe à l'intérieur pour Jamie Robert. Cette fois celui-ci sera valable. L'essai du Racine Men, du joueur du Racine Métro 92, Racine, Jamie Robert sur cette passe à l'intérieur de Jonathan Davis. Oh, magnifique essai, magnifique dans sa construction. C'est vrai que les Écossais sont en sous-nombre, mais les Gallois exploitent magnifiquement bien tous ces intervalles. On revoit ce lancer manqué de Lawson. Samu Arbuthnot qui dévie. Et voilà, on lance l'offensive. Et on voit là le joueur qui échappe à un plaquage et au deuxième, qui pense à ses coéquipiers, qui voit qu'à l'intérieur il y a du monde et qui sert Jamie Roberts. Alors que l'on revoit ce raflux, la belle attitude de Jonathan Davis pour éviter le plaquage d'Alex Dunbar et assurer cette dernière passe à Jamie Roberts. Oui, on voit bien la vidéo, dès qu'il sent qu'il y a un adversaire qui revient, il cherche du monde intérieur. Et jusqu'au dernier moment, il suit son partenaire des yeux pour lui transmettre le ballon et aller à l'essai. La transformation, elle passe, de Dan Bigard, alors qu'on va atteindre la fin de ce premier acte. Pays de Galles 27, Écosse 3, 3 essais à 0. Ce sont les Gallois qui font le spectacle. Merci à tous. On se retrouve dans quelques minutes. Pour l'instant, retour à Paris. Et puis vous retrouvez Cédric Baudou et toute son équipe du côté du Stade de France. A tout de suite pour la deuxième période. Fier de partager les valeurs du rugby sur France 2 avec BMW. Le rugby avec Ryobi, outil de bricolage et de jardinage. Le geste pro. Le rugby sur France 2 avec Gélimat, matériaux et bricolage. Pourquoi j'ai changé de banque ? Parce que j'aime quand c'est simple et clair. Mon chat par exemple, je l'ai appelé le chat. Chez ING Direct, c'est pareil. Pour mon compte courant, la carte Gold Mastercard est gratuite, même après la première année. C'est simple et clair. ING Direct, améliorons la banque. Et en ce moment, profitez de 80€ offerts pour l'ouverture d'un compte courant ING Direct. Un match comme à l'entraînement, c'est ceinture qu'on boit. Avec ceinture, ça va fort, très fort. Ceinture, ça va fort. Voilà, je suis là. Mais non, ton chapeau, je l'ai. C'est la boîte avec ta tête qu'on a perdue. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Le bureau est fermé. On va la retrouver, calme-toi. Ça te fait pas mal. Toi, Jacques, tu vois pas qu'on discute ? La vie est pleine d'imprévus, mais pas avec Toyota. Pack Relax, 4 ans d'entretien, 4 ans d'assistance, 4 ans de garantie, 4 ans sans surprise. Par exemple, la Toyota Yaris Tendance avec Pack Relax est à 169€ par mois, sans apport et sans condition. Toyota. 1, 2, 1, 2. Ma machine m'a lâché. Le crédit pour en acheter une autre, je l'aurai quand ? Les huîtres traversent déjà toute la France. Vous m'apportez la trésorerie pour leur faire traverser l'Atlantique ? Besoin de trésorerie ? Développement à l'international ? En 2014, nous finançons 100 000 projets. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Chez Copra, les clients sont comme ça. Mon lave-vaisselle, mon frigo, tout vient d'ici. Vous livrez demain ? Je laisse les clés de la maison. Ah, ma télé aussi. À midi, vous l'avez installé ? À midi et demi, on vous invite à déjeuner. J'ai repéré un frigo sur Internet. Vous pouvez me l'avoir. Vous feriez ça ? Copra, je sais où je vais. Dingue. Mère ? Please. Is it the Ludo ? It was. Do you want me to... Oh, so nice of you, Mr... George. George Clooney is inside!
espresso, what else? Rain shine, the pigs stay on my mind. Dash low on the beats, got an ounce of kind. B.A. Avec Nissan, laissez la technologie guider vos sensations. Nissan Juke avec Google Send to Car. Découvrez la série suréquipée Nissan Juke Ultimate Edition avec 4000 euros d'avantages clients. Chaque jour, Metro News vous informe et vous divertit. Au cœur de la ville, Metro News accompagne votre quotidien. Parce qu'il est partout, parce qu'il est gratuit, parce qu'il vit au rythme de l'actualité. Rejoignez la communauté des citadins connectés et toujours informés. Metro News, restez connectés. Allure Home Sport ou Extrême, Chanel. Ce n'est pas toujours facile de se faire plaisir quand on est père, mais pas impossible. Citroën C4 Picasso HDI Music Box suréquipé avec toit panoramique à partir de 21 990 euros. Portes ouvertes ce week-end. Cette soirée, elle est entre les rayons de soleil et les frissons. J'ai demandé de me faire sauter un PV, il a fait sauter la gendarmerie. C'est pas bon, ça, oh. Ah, c'est que de l'amour. Tu es en train de te faire de ma gueule. Non, pas du tout, je t'adore. La thématique ce soir, c'est la soirée des gens qui vieillissent pas. Vieillissons pas, avec moi. Avec ses années bonheur, Patrick Sébastien va vous lifter le moral. Ce soir, sur France 2. Retrouvez votre divertissement sur France 2 avec MSC Croisières. Ce n'est pas toujours facile de se faire plaisir quand on est père. Mais pas impossible. Citroën C4 Picasso HDI Music Box suréquipé avec toit panoramique à partir de 21 990 euros. Portes ouvertes ce week-end. À la GMF, nous sommes toujours à vos côtés, quelle que soit votre façon de vous déplacer, avec des garanties d'assurance adaptées et des prix ajustés. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. En France, on a Tony Parker. Mais pas seulement, parce qu'en ce moment, chez Renault... On reprend ? Oui. On reprend ? Lâchez pas les bonnes chaussures. On reprend ! Stop, 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 stop ! Chez Renault aussi, on reprend. Votre voiture jusqu'à 5500 euros en plus de l'ardi. C'est ça la French Touch. Vous, au moins, ne ratez pas les portes ouvertes ce week-end. Devinez qui est le cuisinier ? C'est Frédéric. Devinez qui est le cuisiniste ? C'est la paire. Qui a fait ses tomates confites à l'huile ? C'est Frédéric. Et ses charnières bien huilées ? C'est la paire. Qui a fait ses noix de Saint-Jacques laquées ? C'est Frédéric. Et ses portes laquées avec art ? C'est la paire. Et ses douceurs pour le dessert ? C'est Frédéric. Et des prix aussi doux ? C'est la paire. Une cuisine la paire à ce prix-là ? La paire, il n'y en a pas deux. Suzuki S-Cross et la nouvelle Swift sont garantis 5 ans jusqu'au 31 mars. Et pendant les essais gagnants, réservez votre essai et tentez votre chance. Il y a 4 voitures à gagner.
Je m'appelle Martine et j'habite à Nice. Je m'appelle Maxime et je suis le roi du burger à Valbonne. Bon, vous êtes tous les deux clients chez nous au Crédit Agricole, mais vous avez également un autre point commun. À votre avis, lequel ? Je pense pas qu'on ait un point commun. Peut-être, je sais pas. Ni l'âge, ni le style, rien du tout. Bien, en fait, c'est grâce à votre épargne, Martine, et à celle des autres clients de la région, que nous avons pu aider Max à lancer son entreprise. J'aurai le hamburger gratuit. C'est ça, allez, j'aurai le hamburger gratuit. Au Crédit Agricole, votre épargne aide les entreprises à se développer dans votre région. Ça sert à ça, une banque coopérative. Chez Copra, les clients sont comme ça. Mon lave-vaisselle, mon frigo, tout vient d'ici. Vous livrez demain ? Je laisse les clés de la maison. Ah, ma télé aussi. À midi, vous l'avez installée ? À midi et demi, on vous invite à déjeuner. J'ai repéré un frigo sur Internet. Vous pouvez me l'avoir. Vous feriez ça ? Copra, je sais où je vais. Dingue. Est-ce qu'elle est équipée d'un... Bien sûr. Est-ce qu'elle a le... Oui, elle l'a. Moi, j'aime bien quand il y a un... Il y en a. Est-ce qu'elle a le... Oui, elle l'a. Oui. Ah oui. Mm-hmm. Et la TVA 0%? Oui, elle l'a. Et elle a une... Oui. En ce moment, chez Peugeot, même les suréquipés ont droit à la TVA 0%. Portes ouvertes ce week-end. Fier de partager les valeurs du rugby sur France 2 avec BMW. Le rugby avec Ryobi, outil de bricolage et de jardinage. Le geste pro. Le rugby sur France 2 avec Gélimat, matériaux et bricolage. C'est toujours la mi-temps au Millennium Stadium de Cardiff entre le Pays de Galles et l'Écosse. Les Gallois qui mènent 27 à 3. Dominateurs ces Gallois. 3 essais en première période. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, regardez quelques images. L'équipe de France a fait son arrivée ici même au Stade de France. C'était il y a quelques minutes. Les joueurs Raphaël Ibanez très concentrés. Quel peut être leur état d'esprit à ce moment-là ? Les visages sont fermés et c'est logique parce que ce 15 de France... a subi de nombreuses critiques tout au long de la semaine. Sont-elles justifiées ? Si on s'en tient simplement au plan comptable, pas forcément, parce que beaucoup d'équipes de France dans l'histoire du rugby français eh bien, se sont inclinées en Écosse. L'équipe de France, elle a gagné. Mais si on regarde d'un peu plus près les contenus du match, eh bien là, oui les critiques sont justifiées parce qu'on attend beaucoup plus cette équipe, qu'elle soit entreprenante, qu'elle parvienne à lancer le jeu, que l'on sente vraiment une idée directrice qui pourrait la porter dans ce match tout à l'heure. Alors le défi de taille pour le 15 de France, vous venez de le dire, on attend presque plus qu'une victoire aujourd'hui. Et pourtant en face, eh bien, il y a cette équipe d'Irlande qui vient d'arriver également au Stade de France. Cette équipe d'Irlande qui vient ici sur une dynamique, cette équipe d'Irlande qui vient ici pour gagner le tournoi. C'est-à-dire que si elle bat la France, elle remportera ce tournoi 2014. Et elle compte surtout dans ses rangs ce joueur, Brian O'Driscoll, qui fête son dernier match ici même au Stade de France. Raphaël Ibanez, c'est un supplément d'âme. Bien sûr, les Irlandais le rappellent souvent. Big games for big players, les grands matchs, parce que c'est une finale pour l'équipe d'Irlande, pour les grands joueurs. Et bien sûr, Brian O'Driscoll, c'est la légende vivante du rugby irlandais, le joueur charismatique qui va sans doute peut-être apporter encore plus sur sa dernière prestation. Alors, juste avant de retourner au Pays de Galles, on va juste montrer une petite image. C'est le maillot de Brian O'Driscoll. On est entré tout à l'heure dans les vestiaires du 15 d'Irlande. Et on a vu comment ont été organisés les vestiaires. Et regardez ce maillot sur lequel est inscrit le nombre de sélections de Brian O'Driscoll avec l'équipe d'Irlande, 133, plus 8 avec les Lions, qui fait 141 sélections. Recordman de sélection Brian O'Driscoll, puisqu'il a battu George Gregan, c'était la semaine dernière, 139 sélections. On y reviendra tout à l'heure plus en détail dans l'avant-match entre le 15 de France et l'équipe d'Irlande, mais pour l'heure, eh bien, il est temps de rejoindre Jean Abeillou au Millennium Stadium. C'est à vous, Jean. Oui, Cédric, et d'ailleurs les Gallois qui sont en train de dominer sur le score donc de 27 à 3 cette équipe d'Écosse à la mi-temps, eh bien, ils auront bien sûr un œil tout à l'heure au Stade de France, hein, pour savoir le score de ce match, car ils sont intéressés par le classement final dans ce tournoi. Effectivement, en battant l'Écosse, ils pourraient terminer troisième à la fin de ce tournoi 2014, si bien sûr
l'équipe de France s'incliner face à l'Irlande. On n'en est pas encore là, loin de là. Oui, les Français vont faire office d'arbitre dans ce classement pour ce tournoi. J'ai dit tout à l'heure, ouais. Ils avaient la clé du dénouement de ce tournoi. Les Anglais sont intéressés également du côté de Rome après leur large victoire face à l'Italie. Pour l'instant, c'est la deuxième période ici. Et les hommes de Scott Johnson ont le ballon avec Duncan Ware. C'est parti pour ce deuxième acte. Avantage donc aux Gallois, 27-3. 3-0 marqués par les Diables Rouges au long de la première période. Et là, c'est Dan Bigard, titulaire aujourd'hui à l'ouverture, qui joue au pied et qui envoie le ballon dans les bras de son vis-à-vis. Duncan Ware, ballon rendu aux Gallois. Avec des Écossais qu'il faut rappeler, sont en infériorité numérique. Ouais, suite au manque de puissance dans cette première mi-temps. Suite au carton rouge de Stuart Hogg sur un plaquage illicite à retardement. Ça a été le choix en deux temps, je dirais, de l'arbitre français Jérôme Garcès, qui a donc brandi ce carton rouge devant Stuart Hogg. Les Gallois à l'attaque. Ça joue vite. Van Bigard avec Jonathan Davis. Voyez le décalage pour Nord. Ça va être un essai. Doublé et d'entrée du deuxième acte. Doublé pour George Knorr et 4ème essai pour les hommes de Warren Gatland ici à Cardiff. Ouais, des Gallois qui n'ont vraiment pas trop accéléré cet après-midi. Ils gèrent, ils accélèrent quand ils veulent et on le voit là. Il y a de l'espace extérieur. Bonne manipulation de ballon. Voilà, on va jouer le 2 contre 1. Et après, ça va être compliqué pour revenir. Et George Knorr qui va aplatir derrière la ligne. Et que la deuxième mi-temps va être longue pour ces Écossais. Vous allez le dire, ça sent la correction pour nos amis écossais. Et pourtant, qui étaient venus ici pour bien figurer, sont rachetés de leur défaite de la semaine dernière. Où légitimement, ils auraient pu s'imposer. C'était le match du rachat. Mais ça risque de faire lourd au final pour les Écossais. 4-0. Il est sans voix. Hein. Scott Johnson, l'entraîneur australien, qui va dire adieu à cette sélection remplacée par le néo-zélandais de Clermont, Vern Cotter. Il y avait meilleur cadeau pour son dernier match, je pense. Hein. Ouais, mais venir gagner à Cardiff face à des Gallois revanchards qui ont laissé leur titre le week-end dernier à Twickenham. La transformation n'est pas réussie par Dan Bigard, mais c'est sans conséquence. Le Pays de Galles mène ici à Cardiff 32-3. 4-0. Voici le quatrième don signé George Knorr, le surpuissant ailier des Diables Rouges, auteur d'un doublé cet après-midi. Et on a vu la bonne fixation de Davis qui allait jouer le 2 contre 1 contre l'ailier pour servir George Knorr. Duncan Ware pour la remise en jeu. Félix. Certainement que les Gallois vont tout vouloir jouer, prendre du plaisir et mettre le maximum d'essais pour bien clôturer ce tournoi qui les verra rendre leur titre alors qu'ils l'avaient gagné deux années consécutives, le tournoi Destination. Superbe plan ici, on est sous le toit du Millennium Stadium de Cardiff qui était ouvert, hein, ce matin pour faire entrer les rayons de soleil, pour aérer cette pelouse. Et puis juste avant le coup d'envoi, on l'a fermé. Pour se mettre en configuration, salle de spectacle. Oui, on est vraiment au spectacle ici quand on est au Millennium Stadium de Cardiff. Ballon pour les Écossais, largement mené dans ce match. Ballon pour Lawson qui trouve l'intervalle. Ah, il se bat. Scott Lawson. Avec Denton qui prend le relais. Le puissant troisième ligne centre écossais. Qui est au four et au moulin depuis tout à l'heure. Difficile tout de même de déstabiliser cette défense des Diables Rouges, même si pour l'instant les Écossais gardent l'initiative. C'est un peu symptomatique de l'Écosse là, cette action. Maxime, on les voit, ils tentent, mais ça manque de puissance. Et trois joueurs pour bloquer Greg Ledlow. Ballon toujours pour les Écossais. Avec Lawson. Il y a toujours deux joueurs sur le porteur du ballon écossais. Deux joueurs gallois. Au moins. Si ce n'est trois comme ici. Les Écossais qui laissent beaucoup d'énergie pour conserver ce ballon. Ledlow. Passe par le sol à nouveau. On est sur les 22 mètres du Pays de Galles. Sur le fermé, la croisée, Max Evans qui est venu se proposer, le joueur du Castres Olympique. Ah, mais il y a peu de solutions pour ces Écossais. Infranchissable
pour l'instant cette défense galloise. Lawson qui s'y essaye, qui fixe, lâche le ballon. Là, on essaye de croiser. Matt Scott. Trouver les intérieurs, mais il n'y a pas d'espace. Sur le fermé en deux temps, ce ballon récupéré par Ware, mais aussitôt, il est étouffé par le rideau rouge. Là, c'est une excellente défense galloise aujourd'hui, qui avait été très perméable la semaine dernière en Angleterre. Ils ont énormément travaillé ce secteur, les Gallois, cette semaine, et ça paye. On le voit, il ne laisse pas le moins d'intervalle à ces Écossais. Wilson plaqué à son tour. On insiste là-bas, maintenant grand côté. Là, c'est chacun son tour. Il faut prendre le ticket pour essayer de trouver une solution, mais il n'y en a pas. Ah, peut-être Nedlo qui a trouvé un petit trou de souris. Ah, il a gagné quelques mètres. Ballon lâché pour Strokosch. On est rentré dans les 22 mètres du Pays de Galles avec Ryan Grant. Le ballon perdu. Attention, c'est un bon ballon de contre-attaque. Ah non, c'est Garcia, ça s'est fait. Ça aurait pu faire mal aussi, non, parce qu'il y avait de l'espace extérieur. Non, non, Blue, Blue. Ça sera un lancer écossais. Qu'est-ce qu'on va faire? Certainement essayer de porter ce ballon. One and two, Blue. One and two. Les joueurs en profitent pour souffler. Un joueur écossais qui se fait soigner. One Blue. Et du changement. Du côté des Écossais avec Dickinson qui rentre en première ligne à la place de Graham. Et Lawson ici avec son crâne rasé qui cède sa place au poste de talonneur à Ross Ford. Alors que l'on revoit les essais gallois dans ce match. Là c'est le troisième signé Jimmy Roberts. On était en première période. Et je reviens. Allez, Denton. Avec cette prise écossaise. Ledlow. Advantage. Avantage a dit M. Garcès. Finalement, il intervient. L'arbitre français du Béarn. L'homme de Bourette, exactement. Fameuse station de ski. Le Pyrénées. Ils n'ont pas le choix, hein. Ils n'ont pas le choix. Les Écossais, bien sûr, menaient largement au score. Menaient de 29 points. Et ils vont essayer de marquer un essai pour revenir un petit peu dans le match. Sauver l'honneur. On le rappelle, 14 contre 15. C'est dur. En infériorité numérique, là, ils vont essayer de gagner un peu de temps, gagner le ballon, se structurer, et essayer d'aller derrière la ligne d'essai. Mais ça va être compliqué. On les voit. Le premier lancé de en puissance. Ross Ford, fond de touche, un ballon perdu, mais en temps pour Warburton. Lanceur et sauteur, récupération des Gallois, avec le capitaine des Diables Rouges. Phillips. Et on joue à la main. Et on joue à la main. Il y a de la place extérieure. Il a des cannes de feu, l'arrière du Pays de Galles. Voilà, passe à l'intérieur pour Jonathan Davis. Et le cinquième essai qui se dessine. Si on assure la passe, voilà, doublé. Doublé pour Jimmy Roberts. Sur cette dernière place de Faletao contre terrible des Gallois, parti de leurs 22 mètres après les avoir récupéré le ballon. Ouais, c'est terrible pour les Écossais qui espéraient mettre un premier essai dans cette partie, qui avait pris la pénalité pour se rapprocher de la ligne et avoir le lancé. Et finalement, mésentente, on le voit là dans les bras de Warburton. C'est trop long, ça a levé son sauteur. Un bon point de fixation. Et derrière, les Gallois qui déroulent, qui vont sur l'extérieur, ils savent qu'il y a de la place. Et on joue magnifiquement le 2 contre 1 pour revenir à l'intérieur. La passe pour Faletao. On pensait qu'il allait tenter d'y aller seul. Et finalement, il est repris par Dougie Fife. Et le soutien de Jamie Roberts, c'était là. La transformation de Dan Bigard. Le score s'alourdit de plus en plus. Pays de Galles 39, Écosse 3. Ah, il doit les tarder que ça se termine, Scott Johnson, alors que l'on revoit cette accélération de Lyon Williams qui nous fait une excellente impression. Ah oui, très bon match qui a su remplacer Alpeny, blessé en Angleterre. Et voilà, l'essai de Jamie Roberts. Alpeny qui a été touché à l'épaule contre l'Angleterre et qui a été opéré ce vendredi avec succès. Il sera absent des terrains. Lee Alpeny, 4 mois. Lui qui, la saison prochaine, vous le savez, portera les couleurs de Toulon. Oui, on a pu voir sur les réseaux sociaux où il a posté des photos que l'opération s'était très bien passée, qu'il allait bien.
Oui, le président Mourad Boudjelal et Bernard Laporte vont bien sûr avoir un œil sur lui et sur sa convalescence. 4 mois, c'est long. Hein. Oui, mais ils vont surtout récupérer un joueur frais pour l'intersaison qui va pouvoir bien préparer la future saison en top 14 avec son club du RCT. Les stades de Lyon Williams ici. Plein écran. Pays de Galles 39. Écosse 3. Regardez, on fait à Miami entre Écossais et Gallois. Ouais, c'est très bon enfant dans les tribunes. Entre Gallois et Écossais. On laisse jouer alors que la mêlée était au sol. On écarte. Jonathan Davis. Bon ancrage. Lâche ballon pour Phillips, mais les Écossais ont plongé avec Hamilton. Ah, c'est vraiment la bête noire de Phillips cet après-midi, Hamilton. Ah oui. Hein. Il l'a sur son dos en permanence. Il marque à la culotte, c'est le cas de le dire, le deuxième ligne de Montpellier. Avantage encore pour les Gallois. La charge de Alan Wynne-Jones en force. Grosse percussion, il a renversé un Écossais et ça rebondit. Phillips, Van Diga, cherche une solution. C'est Roberts qui est venu croiser à hauteur de son ouvreur. Phillips. Ah, passe sauter. Toutes ces fixations, ça use les Écossais. Six blue. Ils doivent couvrir plus de terrain dû à leur infériorité numérique. Et on laisse ça un peu émousser. Pas de solution. On a vu un bon rideau bleu. Donc on prend la pénétration. Avec Warburton, il me semble, Williams qui essaye de repartir, mais qui est repoussé dans son camp. Phillips. Et Bigard qui pousse au pied, il n'y avait pas de solution. Et la touche trouvée là-bas dans les 22 mètres par les hommes de Warren Gatland. Sérénité du côté du staff des Diables Rouges qui maîtrise ce match. Et ça va être un lancer difficile pour Morey qui vient de rentrer, qui a loupé son premier lancer, qui a emmené un essai. Pour voilà. Rossford. Hein. Rossford, excusez-moi, c'est pas Morey, c'est le pilier qui est rentré. Morey. Nouveau lancer au-delà du verrouilleur, cette fois c'est Matt Scott qui est venu le trois quarts centre se jeter sur ce ballon pour permettre aux Écossais de se dégager alors que les Gallois jouent à 14 contre 15, vous le voyez ici à l'écran. Alan Wynne-Jones, sur sa terrible charge tout à l'heure, est resté au sol, mais le jeu continue. Voilà, passe en pivot. Magnifique passe sur un pas. Pour George Knorr, qui essaie de naviguer. Pris par Richie Gray. Le relais de Jamie Roberts. Phillips. Il y a encore le feu dans la maison écossaise. Dan Bigard passe à l'intérieur. Phillips. Bigard. Charteris. Pas d'en avant. Monsieur Garcia cesse de jouer, il y a du décalage. Et ça va être l'essai de Faletao. C'est lui qui a offert les essais tout à l'heure à ses partenaires. Et là, le Gallois d'origine congienne marque le sixième essai des Diables Rouges cet après-midi. Essai de Faletao. Dans un style qui lui est peu commun, normalement quand il rentre dans l'embut, c'est avec 3-4 adversaires sur le dos. Et ce coup-ci, il était tout seul, décalé sur son aile. On revoit Charteris. Fait la passe à Warburton. C'est un peu hésitant, un peu cafouillon, comme dirait Fabien Galthié. Et finalement, il y a l'intervalle au large. Et des Écossais qui sont complètement dépassés, qui mettent beaucoup de monde dans les regroupements auprès pour contrer la puissance galloise et qui finalement libèrent des espaces extérieurs qui exploitent magnifiquement bien les Gallois. 44 à 3 et la transformation à venir pour Dan Bigard du bord de touche. Sixième essai donc pour les partenaires de Faletao cet après-midi au Millennium Stadium de Cardiff pour clôturer leur tournoi Destination 2014. C'est un cavalier seul du Pays de Galles pour l'instant. Ça sent le poteau. Vous l'aviez vu Ah ben, l'image du réalisateur gallois était parfaite. Le score donc, Pays de Galles 44, Écosse 3, alors que l'on revoit ce sixième essai marqué par Faletao. On revoit il y a un peu de chance côté gallois, Cuthbert qui avait tenté une chistera un peu hasardeuse. Et finalement, quand on est en réussite, quand on est en chance, tout passe.
Et les Gallois qui enchaînent alors que Tipuric a remplacé Dan Lidiat, le flanqueur du Racing Métro 92. Et Phillips a lui cédé sa place, on va le voir sur la prochaine mêlée, à Rodri Williams. C'est son premier match dans le tournoi à Rodri Williams. Le voici. C'était 2000-2000, il était titulaire, souvenez-vous. La finale de la Coupe du Monde. Les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans que vous aviez vu sur France 4 à Vannes au mois de juin dernier. On va attendre cette mêlée. Ensuite, on va jouer pour la deuxième question de ce match dans ce tournoi. On va certainement profiter de cette fin de match côté gallois. Maintenant, le score est acquis. Il faut faire tourner, voir de jeunes joueurs à l'image de Rodri Williams. La bière va couler ce soir dans Cardiff. Ça va être chaud dans les rues de Cardiff. Et bonne mêlée écossaise qui progresse. Avec un avantage en cours et le petit sifflet de monsieur Garcet. Et les Écossais qui continuent à donner de la voix malgré la largesse du score. Ils sont là pour passer un bon moment, communier tous ensemble avec leur équipe. Il est rouge, notre ami. Hein. Ah, il a tout donné là. Une vraie lanterne. Hein. On devrait le faire rentrer là. Oula. Aussi rouge que les maillots du Pays de Galles. C'est le soleil. C'est vrai qu'on a peu l'habitude de le voir au Pays de Galles. Ils ont bien fait de fermer le toit qu'on soit là. Sinon, il y aurait eu des insolations aujourd'hui. Allez, le jeu juste après cette mêlée, car c'est chaud pour l'instant. Avec l'introduction de Greg Ledlow. Peut-être un ballon pour sauver l'honneur du côté de l'Écosse. On va voir comment l'équipe de Chardon va négocier cette mêlée. Pour l'instant, les deux premières lignes se sont écroulées. On va la rejouer, a dit M. Garcès. C'est vrai qu'on a vu les Écossais supérieurs sur la dernière mêlée. C'est vrai qu'on les voit sans solution au large. Donc peut-être qu'ils vont essayer de faire une double poussée pour remettre les Gallois à la faute. Mais on le voit, des mêlées qui ont du mal à être stables. Et on ne peut pas introduire le ballon. Une magnifique fleur, là. Ouais. Magnifique jonquille. Avec le dragon coloré sur ce visage des supporters gallois. Allez, l'introduction de Greg Ledlow. On est dans les 22 mètres du Pays de Galles. Et voilà l'introduction. Les Écossais qui font l'effort sur ce mêlée. Et maintenant, le dessus. Nouvel avantage en cours pour les Écossais. Monsieur Garcès va se jouer avec ce départ de Denton qui s'est isolé. Et on va revenir à la faute initiale. On va voir le choix des Écossais. Monsieur Garcès qui manque le numéro 3 du Pays de Galles. Josh Cross, Rorin Jones, pénalisé sur cette mêlée. Nouvelle mêlée, on va en profiter rapidement pour jouer. Allez, il ne nous reste que quelques minutes, il ne vous reste que quelques minutes pour tenter de remporter donc les 15 000 euros mis en jeu. Voici la deuxième question, laquelle de ces deux équipes la France a-t-elle battu 19 à 17 au précédent match? Laquelle de ces deux équipes la France a-t-elle battu 19 à 17 au précédent match, c'est-à-dire le week-end dernier? Vous envoyez directement votre réponse par SMS au 7-21-21 ou vous téléphonez au 36-32 tirage au sort. À la fin de ces matchs, alors qu'il y a du coaching du côté gallois avec l'entrée à Adam Cadre, Adam Jones et la sortie de Gethin Jenkins, salué par tout le Millennium Stadium, le nouveau recordman de sélection au Pays de Galles ici, plein écran. Ouais, qui devra encore rencontrer un certain nombre. Étant donné qu'a priori il est partant pour la Coupe du Monde, donc il devrait largement battre le record de Stephen Jones. Le jeu qui reprend avec cette mêlée, on est revenu toujours au point de départ et cette mêlée en faveur de Greg Ledlow et les Écossais. Et à nouveau les deux premières lignes qui s'écroulent. Sylvain, il va falloir y aller. Ouais, c'est un problème qui est récurrent durant ce tournoi. On voit d'ailleurs très souvent en top 14. C'est vrai qu'il y a énormément de pression. Et les mêlées qui vont souvent vers le sol. Ça ne chagrine pas les supporters. C'est la fête. Il y a des essais. Et les godets sont pleins. Et devraient le rester surtout. Oui. Même des Mexicains ont fait de gars. On a tout vu. On a vu d'ailleurs beaucoup de supporters français, de Toulon, de la Valette, dans le Var. Du Pays Basque aussi. Du Pays Basque, oui, des supporters, des amoureux de rugby qui ne vont pas forcément voir l'équipe de France, mais choisissent un autre match du tournoi. Et là, on en a croisé pas mal. Pour découvrir des villes, c'est vrai qu'il est
C'est pas évident d'obtenir des billets pour les matchs de l'équipe de France quand on est français. Et regardez, on le voit. Il y a même des coqs dans les tribunes cet après-midi au Millennium Stadium. Nouvelle mêlée. Est-ce que cette fois, le jeu va pouvoir se dérouler derrière cette phase de conquête? Introduction de Pays de Galles. Ballon dans les mains de Denton qui a pu le relever et lancer l'attaque. Duncan Ware qui évite le premier plaquage, passe par le sol. Qui est vite repris, Duncan Ware. Un ballon qui va avoir du mal à sortir. C'est Ross Ford qui se charge de faire le ménage. Ballon pour écossais. On va repartir au ras. Et nouvel avantage en cours, signalé par M. Garcès. Avantage en faveur des Écossais qui enchaînent avec Dickinson. Un petit essai écossais serait bienvenu pour sauver l'honneur dans ce match. La charge de Strokosch. Ça fait du bien aux Écossais de mettre un essai. À la diagonale, la passe. Il a dévissé son coup de pied, mais il avait un avantage en course, vous l'avez dit. Pénalité donc en faveur de l'Écosse. C'est bien joué de la part de Ledlow de tenter ce petit coup de pied. Il savait qu'il avait la pénalité. C'est vrai que la semaine dernière, ils ont eu un rebond un peu chanceux contre l'équipe de France qui leur a permis de mettre un essai. Et là, c'était judicieux. Il savait que de toute façon, on allait revenir à la pénalité. Et regardez, changement de choix tactique, je dirais, après la succession de mêlées. Ils ont opté pour une touche. Les hommes du charbon, il faut maintenant assurer la conquête, car c'est tout à l'heure sur une phase identique qui naît le cinquième essai en contre des Gallois. Et Rossford qui n'avait pas trouvé la cible. Ouais, c'était son premier lancer, il venait de rentrer en jeu. Ouais, c'est pas évident, un lancer au fond. Et on repart sur le fond, c'est limite, mais c'est capté. Il y en a en avant suite à la réception de la conquête de Denton. Ouais, des Écossais vraiment perturbés. On va revoir ce ballon bien capté. Voilà, normalement, c'est au soutien de venir chercher ce ballon. Et là, on tente une passe. C'est hasardeux à 5 mètres de la ligne. Et ça va être ballon rendu trop facilement aux Gallois. Qui n'avait pas besoin de ça. Non, vraiment pas. C'est vrai qu'avec 41 points d'écart, les pauvres Écossais, ils vont pas s'en sortir cet après-midi au Millennium Stadium. Il y a 18h, hein, n'oubliez pas, au Stade de France, le dénouement de ce tournoi. La finale, destination 2014 entre l'équipe d'Irlande et l'équipe de France. Les Anglais et les Gallois auront bien sûr, on le redit, les regards tournés vers Saint-Denis. Oui, et puis on risque d'avoir des supporters, hein, parce que les Anglais, tout comme les Gallois, préféraient qu'on gagne. Enfin, plus les Anglais que les Gallois d'ailleurs, mais c'est bien la première fois que les Anglais vont nous soutenir, je pense. Vous croyez? Ah, j'en suis même persuadé, Jean. Et bon impact, une nouvelle fois, ça va au sol. Ce coup-ci, c'est les Écossais. Bracassé, prend rapidement joué par René Williams. Et les Gallois peuvent relancer leur jeu dans leurs 22 mètres. Et on va vite chercher les extérieurs. Le jeu au pied de Jonathan Davis, dans le dos de la défense écossaise. Et qui va ramener le jeu à hauteur de la ligne médiane. 9. Les Écossais vont avoir le lancer. Changement du côté du 15 de Chardon, c'est Chris Cusiter ici qui remplace donc Greg Ledlow. Changement poste pour poste en demi de mêlée. Il peut porter les couleurs, Chris Cusiter de l'USAP. Aujourd'hui revenu au pays et sorti donc de Greg Ledlow. Allez, lancer fort, alignement réduit, on est à 5 dans l'alignement. La conquête est anglaise, on peut lancer l'offensive. Oh, moins une. Denton. L'interception, mais Denton peut enchaîner. Elle passe en avant, non? Oh, on a enlevé le maillot. Il va poursuivre façon dieu du stade. Avec Matt Scott, ils accélèrent. On est rentré dans les 22 mètres gallois, mais poussé en touche par Luke Charteris. Avec son numéro 4. Ça y est, il a remis son maillot. Alex Dunbar, lui qui a marqué deux essais écossais à Rome pour la victoire justement des Écossais. L'action, Jean 9 qui lui enlève le maillot. Et on revoit la belle percée de Denton. Très très beau joueur, David Denton. Ah, il va bien dormir ce soir, on l'a vu de partout.
Belle barbe. C'est Eric Loom. Ah non, non, il a des cheveux. Et un autre joueur du top 14 vient de rentrer, c'est James Cook, rentré au poste d'arrière, rentré également de Rhys Plisland, pardon, au poste de demi d'ouverture à la place de Dan Bigard. Titulaire tout au long du tournoi, il avait été préféré cet après-midi. Il y avait été préféré Dan Bigard, mais finalement Plisland va venir participer aussi à la fête galloise ici à Cardiff. Grosse pression des Écossais derrière cette touche. On est sur la ligne d'en but du Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a perdu le ballon. C'était Warburton qui s'en était saisi. On l'a vu repousser dans son camp, perdre le ballon. Bonne opportunité pour les Écossais. Allez, peut-être un essai pour les hommes du Chardon qui campent là sur cet en but gallois. Ils font le forcing, qui veulent sauver l'honneur. Et on a envie qu'ils sauvent l'honneur. Ouais, parce que là, pour l'instant, ça fait lourd. Nouvel avantage en cours signalé par M. Garcès. Ballon que va extraire Cuciter avec son numéro 21. Bon, la nouvelle charge Denton. Ah, mais les Gallois, ils sont dans les starting blocks pour venir défendre et repousser les Écossais. Wilson. Ça progresse. On est à moins d'un mètre de la ligne d'essai. Rossford. Allez, en puissance. Il est presque tombé dans l'embut gallois. Il va falloir remettre une nouvelle couche, certainement. Peut-être là avec Uciter. Dickinson. Il ne lâche rien, les Gallois. Ouais, les Écossais qui auront perdu un peu de terrain. On va essayer par le large. Petit coup de pied jusqu'à l'aile. Ah, il ne va pas récupérer ce ballon pour fêter sa première cape avec son numéro 14, Dougie Faye, sur cette passe au pied de Ware. L'essai s'est envolé. Ouais, c'est vraiment un aveu d'impuissance de la part des Écossais. À moins de 5 mètres de la ligne, alors qu'ils étaient en possession du ballon, de tenter ce genre de passe un peu hasardeuse. Ils ne savent plus comment y arriver. Ils ont tenté à maintes reprises de s'imposer auprès. Mais leur manque de puissance les a repoussés dans leur camp. Et là, on a tenté au pied et c'est malheureusement directement en touche. Le jeu est arrêté car il y a un joueur... Écossais qui est touché. Ah, c'est Max Evans. Je crois qu'Arrel écossais du Castres Olympique et David Darré-Carrère et Serge Mignas doivent avoir les yeux grands ouverts pour savoir dans quel état ils vont récupérer leurs joueurs la semaine prochaine. Allez, boite bas, Max Evans. Ah, il a l'air de souffrir. Je ne sais pas si c'est le genou, la cheville. Mais il tient à rester sur le terrain, a priori. On va revenir à la pénalité pour l'Écosse, pour une position de hors-jeu. Ils vont réessayer par la touche d'aller mettre un premier essai dans cette partie. Et que c'est dur pour l'Écosse cet après-midi. Ça fait plusieurs minutes hein, qu'ils campent dans les 22 mètres du Pays de Galles sans pouvoir franchir ce terrible rideau rouge. Ils ont vraiment une carence au niveau de la puissance et surtout le jeu au près. Ils se Ford font pour le lancer. La prise de Wilson. Aussitôt repoussée. Exactement. Pour, 10 mètres. Pour illustrer vos propos, la puissance galloise est supérieure à la puissance écossaise, même si la conquête est du côté de l'Écosse. Ils ont reculé de 20 mètres. Hein. Derrière leur prise en touche, obligé de se réorganiser avec Rossford. Passe par le sol. Quelques mètres depuis qu'il est rentré, Rossford, il arrive à progresser sur tous ses impacts. On les voit, ils vont trop vite au sol. Cuciter à nouveau. Le Chigré. Et voilà. Ajouté par Halloween Williams. Et le contre gallois, attention, ils sont impeccables dans ce genre d'action. Les Gallois, très très rapide, heureusement. Dougie Five est venu en couverture sur ce jeu au pied des Diables Rouges. Bah, il était chassé, hein, par George North et Jonathan Davis. Et Jonathan Davis. Allez, on repart au rat. Il y a des Écossais vraiment pauvres cet après-midi. Buffett.
Mais c'est clair, obligé de jouer au pied. Et de rendre le ballon à James Cook. La relance du joueur de Perpignan, rentré il y a quelques minutes. Adam Jones. Christian cherche une solution. Bloqué par deux Écossais. Il n'y a pas d'espace extérieur. Personne intérieur, il a pris le contact et voilà, on rebondit bien. Jonathan Davis cherche une solution. Ballon passe perdu, mais récupéré finalement par Rodrigo Williams. Et ce petit pied de M. Garcès. Il a le sourire, hein, l'arbitre français. Il maîtrise son match. Ouais, tout à fait. Jérôme Garcès. 14, guys. Ben c'est vrai que pour l'instant, depuis le début du match, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. On met dans les 10 premières minutes où l'Écosse a pu rivaliser. Après, ils ont trop vite été en infériorité numérique pour pouvoir rivaliser cet après-midi face à la puissance galloise. Des soins pour Tim Swinson. Avec son numéro 19 et la sortie de Dougie Fife. Qui se souviendra certainement longtemps de sa première cape ici à Cardiff, remplacé par Jack Casper. Elle aurait certainement aimé meilleur épilogue. Mais bon, c'est le rugby. Parfois on est dans le coup, parfois on ne l'est pas, comme cet après-midi, cette équipe d'Écosse. Et ça fait lourd. Accident offside. Le jeu va reprendre avec une mêlée. Vous le voyez, la possession pour l'instant dans cette deuxième période est légèrement à l'avantage des hommes de Scott Johnson. C'est vrai que les Gallois sont rarement vus et venus dans le camp écossais, mais quand ils sont venus, c'est pour mettre des points. Déjà 17 points dans cette deuxième période. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Les mêlées, toujours des problèmes. Et pénalité contre le pays de Galles. Contre le pilier gauche. Problème de liaison. Paul James qui est sanctionné d'amener son pilier au sol, le tirer vers le sol. C'est un peu de temps de gagner pour les Écossais, alors que là on est en train de remettre une lentille. Qui s'était perdu dans l'herbe du millénium. C'est Ian Murray, l'expérimenté pilier écossais, rentré en jeu qui a laissé une lentille. Quand elle la remet, ben c'est pas facile. Hein. Quand voilà, vous avez les doigts frappés dans l'action, le visage tumifié et même sali par le combat. Un peu de résine sur les doigts parfois. Et on revoit. À la belle attitude de Faletao. Quelques beaux gestes là de ce match que nous propose le réalisateur. Gallois. Ça c'est magnifique, une prise d'une main, la passe. Comme quoi le rugby est un jeu de main. Exactement. Et même un Irlandais dans les tribunes. C'est la passion du tournoi des Six Nations. Cette compétition européenne de l'hémisphère nord qu'on vous propose chaque année sur France 2. Le jeu va reprendre avec le lancer de Rose Ford. 11 minutes à jouer. 44 pour le Pays de Galles, 3 pour les Écossais. 6 essais à 0, plus de suspense. Peut-être un dernier feu d'artifice des Gallois ou peut-être l'essai pour sauver l'honneur de l'Écosse. On tente le retour, retour intérieur. Ça avait marché contre la France, mais là les Gallois sont vigilants. Impeccable en défense cet après-midi. À l'image ici d'Adam Jones, Cusiter, Strokosch, Cusiter à nouveau. Et on voit des joueurs isolés qui vont prendre le contact et on voit le formidable rideau rouge. Ça va être compliqué de passer, peut-être là. Strokosch avait franchi la ligne mais sa passe s'est perdue dans la pelouse du Millennium. Obligé les Écossais de se réorganiser avec ce point de fixation. Et on est reparti avec Denton, qui vraiment donne tout. Dunbar. Et
ils rebondissent sur ce rideau rouge tissé par les Gallois. Ah, c'est des boules de flipper cet après-midi. Ça rebondit de partout, les Écossais. Sans solution, il n'y a pas d'espace. Cuciter. Et chacun son tour, ils y vont. Matt Scott, là, pris par les sécateurs gallois, pris aux chevilles. Retigré, Denton. Il n'y a que Denton cet après-midi qui arrive à avancer parfois. Il a payé de sa personne le numéro 8 d'Écosse, mais ce rideau rouge est pour l'instant infranchissable. Retigré dans un rôle de demi de mêlée. Ah, il sait tout faire, Retigré. Du haut de ses 2m06. Le jeu rebondit. Et voilà, pris dans la tenaille rouge. Ils sont repoussés systématiquement. Elle travaille. Il n'avance pas, hein, c'est du jeu latéral. Il n'avance pas, ou très très peu. Le travail à payer cette semaine. Les Gallois qui avaient une défense très perméable en Angleterre. Ils ont énormément travaillé ce secteur. Et aujourd'hui, ils veulent rester inviolés. Matt Scott. Il est rentré timidement, je dirais. En tout cas, avec beaucoup de difficultés dans ces 22 mètres gallois. Cuciter. Adam Jones qui avait... C'était venu sur le contre-roc. Non. Et les Gallois qui craignent rien avec ce rideau. Le choix de jeu au pied, ballon finalement rendu pour James Hook aux Gallois qui vont pouvoir se dégager. Ah, c'est facile pour les Gallois, trop facile. Ils ont juste à être patients. Ils savent que les Écossais sont sans solution. Et voilà, ça y est, ils peuvent amorcer la contre-attaque, la relance. Hibbard. Oh, c'est magnifiquement sauté, ça. Ouh, replaquage, là, c'est Preslan, arrêt du fait, comme on dit. Ah oui, là, c'est le test Euro NCAP pour les voitures, là. Les ballons toujours pour les Gallois avec Alou Wynne-Jones. Et des Gallois qui jouent un peu olé-olé, là. Hein. Oui. Casper ici, plein écran, on ne l'avait pas vu sous le maillot de l'équipe d'Écosse depuis le dernier mondial de 2011. Jack Casper, le 3 carré, le rentré en jeu il y a quelques minutes, alors qu'on va le revoir. Ce plaquage ici sur... Ce stop de Cam Taylor. Voilà, il y avait le soutien, mais on n'a pas réussi à exploiter ce ballon. Alors que les deux équipes ont concédé, ont loupé 13 plaquages chacun, mais le Pays de Galles a fait 130 plaquages pendant que l'Écosse a fait 87 plaquages. Donc, Et vous restez avec nous, bien sûr, car c'est ce match, retour à Stade de France, retour à Saint-Denis, pour connaître le dénouement, car il reste un match dans ce tournoi 2014. Ouais, c'est à Paris que va se décider la victoire. À qui ? Le trophée, qui va succéder dans le Pays de Galles, détenteur du trophée jusqu'à aujourd'hui. Et qui rêvait de le remporter pour la troisième fois. Malheureusement, une défaite en Irlande, une défaite en Angleterre. Ils sont venus à bout de leur rêve et de leur troisième sacre. Fond de touche, ballon pris par les Écossais. Les Gallois gèrent cette fin de match à 8 minutes du coup de sifflet final, 44-3. 6 essais, ils ont fait le spectacle, mais peut-être qu'ils vont terminer par une dernière étincelle. Pour l'instant, les Écossais sont à la manœuvre. Et on voit ce bon rideau rouge, ce bon pressing. En avant, oui. Obligé de siffler, M. Garcès, sur cette faute de main de Duncan Ware. Sans solution, vraiment perdu cet après-midi. Injury blue. Perdu dès la 10e minute de jeu quand Stuart Hogg a écopé de son carton rouge. Déjà qu'il commençait à subir, ce carton rouge leur a été fatal. C'est ce que doit se dire Scott Johnson. Et on voit les Écossais qui prennent leur temps. Sur chaque temps mort, qui essaye de grappiller un peu au chrono. Le joueur écossais touché, le numéro 18, Ian Murray. Donc on revoit ces terribles plaquages gallois. Plaquage dévastateur. Et voilà, j'en parlais de la faute de Stuart Hogg, là. Qui prend au menton.
Dan Bigard. Stuart Hope qui va être copié d'un carton rouge pour cette faute. Et le malheureux Kelly Brown ici avec sa barbe, blessé lui au bout de 8 minutes de jeu, le capitaine de l'Écosse. Un dernier changement du côté des hommes de Scott Johnson, alors que M. Garcès a pris les deux premières. Okay. Certainement pour une mise au point, c'est vrai que beaucoup de mêlées vont vers le sol, beaucoup de mêlées ne sont pas allées à leur terme. Responsabiliser, je dirais, les 6 joueurs de la première ligne. C'est compliqué pour en avoir fait partie. Ah bon, il y a beaucoup d'orgueil dans la mêlée et c'est une vraie confrontation à un contre un et on n'aime pas subir. Et souvent on préfère aller à la faute. Alors que ça serait plus facile de. Et surtout ça arrangerait moins le jeu que de faut de reconnaître la supériorité de son adversaire. Allez, attaque galloise sur cette mêlée côté gauche avec Georges. Norse qui a joué au pied, magnifique, récupéré par Rodri Williams. Que va dire M. Garcès? On va peut-être revenir à l'arbitrage vidéo, mais c'est pour sa première sélection. Ce petit numéro 9 qui comme nous titulaire, vient. Comme titulaire. Comme titulaire, oui, tout à fait. Dans le tournoi. On écoute la question de Jérôme Garcès. Voir si cet essai va être accordé à Rodri Williams, arbitrage vidéo dans ce match à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Voilà, ça part d'une conquête en touche avec là le jeu au pied de James Hook. Ah, c'est peut-être pour voir si sur l'action il n'était pas hors jeu comme fallait à haut tout à l'heure. Peut-être. Il a aplati, ça c'est sûr. Ça, on en est sûr. Je pense que c'est. C'est-à-dire, il est tombé avant la ligne d'en but. Gerald, mais dans les lancers, on écoute la décision de l'arbitre vidéo validée. L'arbitre Hugo, qui est l'Irlandais, monsieur Hugh. 7e essai pour les Gallois cet après-midi. Celui-ci signé Rodri Williams. Et on revoit l'essai. Et les Gallois qui déroulent. James Hook, coup de pied de recentrage. Et voilà, Rodri Williams qui avait bien suivi, qui perd son équilibre, mais qui va jusqu'à derrière la ligne d'essai. Qui va se charger. Non, c'est James Hook qui va tenter la transformation. Ouais, du côté droit, le polyvalent ouvreur ou arrière qui porte les couleurs de Perpignan. Et cet après-midi, dont celle de son pays. Réussite de James Hook. Pays de Galles. 51, Écosse 3 à sa pêchère pour les Écossais. 7 essais à 0, c'est la balade galloise. Alors que l'on revoit ce magnifique plongeon de Rodri Williams, le jeune demi mêlée des Diables Rouges. Vice-champion du monde il y a un an avec son ouais. Équipe des moins de 20 ans. Et le voilà dans le grand stade du Millennium Stadium à porter le maillot de la grande équipe. Regardez, il se sent des. C'est sans des ailes, c'est lui qui a récupéré ce ballon pour aller servir Georges North. Il n'y a pas meilleur pour la confiance. C'est des Gallois qui vont essayer d'alourdir l'addition. Madame Jones, va lui faire le ménage avec sa chevelure. Le droitier du Pays de Galles, coup de sifflet, M. Garcès qui pénalise les Écossais. Jonathan Davis qui n'a pas pu se saisir de ce ballon, qui a commis un en avant. Les 5 dernières minutes ici au Millennium, avant de filer au Stade de France pour Irlande. France, regardez, on vous l'avait dit qu'il y avait des supporters français. Les voici avec leurs canotiers, leurs belles moustaches et le drapeau tricolore. C'est le mélange des cultures, c'est le tournoi destination que l'on aime. Et oui, tout à l'heure on a vu des Irlandais, c'est vrai que c'est. Toutes les nations sont présentes sur le match du tournoi et voilà, toutes les nations viennent même voir les nations adverses. C'est la beauté aussi de ce tournoi. Regardez, Liam Williams vient d'être élu homme du match ici au Millennium. Le jeune arrière titularisé cet après-midi à la place de Alf Penny, auteur du premier essai de ce match. Il vient donc d'être élu homme de ce match, l'homme de la victoire des Gallois, 51 à 3 face à l'Écosse. Alors qu'il reste moins de
4 minutes à jouer et les Gallois sur les 22 mètres écossais. Et on va dérouler côté Gallois maintenant. On va essayer d'aller planter un nouvel essai. Islan. Jonathan Sylvain. Intercepté. Par Cusiter. Bloqué aussitôt par Jamie Roberts. Il n'y a pas de solution. Ils sont là. Ils sont là, les Gallois. Aussitôt, dès qu'ils ont perdu le ballon, le rideau rouge est tissé. Il est difficile de se frayer un passage, même si Cuthbert s'y colle en force. C'est dur pour les Écossais. C'est dur, impuissant dans ce match. Bloqué dans leur camp. Cuthbert qui réclame le ballon. Intervention de M. Garcès, la pénalité en plus pour les Gallois. Ballon gardé au sol par les Écossais. Et on a vu des Écossais un peu perdus sur cette action. Ils se regardaient un peu, qu'est-ce qu'on fait. Et finalement, eh bien, ils vont rendre ce ballon. Alors qu'on joue vite à la main, il faut qu'aller prendre une touche proche de la ligne en but. On attend des gros l'assistera de ouf. Passe en aveugle pour North qui a pu la récupérer et rentrer dans les 22 mètres écossais. Rodri Williams. Il tente tout leur réussit aux Gallois. Island, c'est le feu d'artifice. Hein. C'est le feu d'artifice. George North. Avec Kesbert. Il y a deux Kesbert hein, sur le terrain. Aucun lien de parenté. Ils jouent tous les deux à l'aile. Là, c'était Alex Kesbert côté Gallois. Et les Diables Rouges à l'attaque. Rentré dans les 22 mètres avec la charge de Jack Ball. Alan Wynne-Jones. L'homme des Ospreys. Qui a fait son match, hein, qui a été présent cet après-midi. Au combat, présent. Oh, belle fin de passe de Rodri Williams. Le ballon chippé, in extremis, pardon, par Tim Winson. Ah, il manquait un peu de soutien. Et les Écossais peuvent se dégager. Ouais, ils jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu. Ballon cafouillé par Fellet Tao. Donc le verbe cafouiller existe, donc l'expression cafouillon. Chez moi, oui. Chez moi aussi. Allez, Rodri Williams. Pas de faute de main, dit M. Garcès. Avantage est laissé aux Gallois. Rodri Williams. Chassé. Ouais, nouvelle en avant. Là. Nouvelle en avant. Cité par l'arbitre français. Et ils ont envie de voir un nouvel essai, les supporters du Millennium. Pour que la fête soit complète, alors qu'on revoit cette superbe passe en aveugle de Gent Hook. Il a fallu qu'il vienne en France, je pense, pour prendre ce genre de geste. Hein. Peut-être. Et les cœurs gallois ici au Millennium. Les jonquilles en fleurs. Ça va être encore la fête ce soir dans Cardiff. La dernière minute de ce match. Et une mêlée introduction Pays de Galles. On va certainement essayer de planter un dernier essai. Les Gallois rendent leur trophée sur une superbe victoire face à l'Écosse. Ensuite, ils vont attendre, bien sûr, le résultat de l'Irlande, de la France et de l'Irlande, bien sûr, pour savoir s'ils terminent troisième ou quatrième. Fracassé en faveur de l'Écosse. Les 15 dernières secondes, la dernière action certainement de ce match. Et les Écossais qui jouent leur va-tout à Max Evans, qui a retrouvé toute l'intégralité de ses moyens physiques après avoir été touché à la cheville, le joueur de Castres. Ils enchaînent, Ford. Il faut reconnaître aux Écossais qui ont beaucoup joué, hein. Ils n'ont rien lâché. Ils n'ont pas joué petit bras, même là, coup franc, ils essayent quand même s'ils sont sans solution. Hormis là, intérieur. Avec Wilson, la passe en cloche qui file en touche. Et M. Garcès qui va siffler la fin de ce match. Large victoire des Gallois, Sylvain, 51-3, 7 essais à 0. Oui, tout à fait. Large victoire des Gallois. Les Écossais qui ont vite perdu leur capitaine et qui ont pris un carton rouge. Et c'était trop pour les Écossais qui ont cédé, qui ont laissé de l'espace à ces Gallois et qui s'y sont engouffrés pour cette belle victoire galloise. Merci Sylvain Marconnet. Large victoire donc, Cédric, 51-3 des Gallois.
qui ont rendu leur trophée destination et qui maintenant vont attendre le résultat entre la France et l'Irlande. C'est le dénouement du tournoi avec vous, Cédric. Oui, merci Jean. Merci beaucoup, Sylvain Marconnet. France-Irlande, dans quelques minutes, ici sur l'antenne de France Télévisions. Nous sommes au Stade de France. Des Gallois impressionnants, hein, 51 à 3, Raphaël Ibanez. Des Anglais impressionnants contre les Italiens. Des Gallois en démonstration. Qu'est-ce que vous inspire le jeu gallois? C'était un score fleuve, la hiérarchie est respectée, les Écossais à la peine, une expulsion, carton rouge très rapide dans la rencontre, il n'en fallait pas plus pour voir des Gallois qui ont su se racheter après leur défaite que nous subit à Twickenham face à l'Angleterre. Alors, ça reste quand même une équipe très solide. Alors le juge de paix ce sera l'Irlande, c'est dans quelques minutes, c'est le dernier choc de ce tournoi 2014, France-Irlande dans quelques minutes, mais avant cela, eh bien, vous avez été nombreux à jouer tout au long de ce tournoi avec nous pour remporter 15 000 euros et l'heureux vainqueur de ce jeu qui s'est déroulé tout au long de ces matchs, vous le voyez à l'antenne. Il s'agit de Jean-Claude Persec de l'Aude, donc certainement près de Narbonne. Voilà, félicitations à lui. Restez avec nous, dans quelques instants, on revient ici au Stade de France. Les joueurs du 15 de France et les joueurs irlandais sont déjà sur le terrain pour l'échauffement. Vous allez tout savoir pour avoir les clés et suivre ce dernier match France-Irlande. C'est dans quelques minutes. Tout de suite, juste après la pub.